Bonjour, on va commencer notre session d'atelier 4 donc, qui s'appelle Intégration du patient dans l'enseignement et évaluation des étudiants, donc, qui est dans la ligne directe de ce qu'on a vu ce matin. Et je voulais savoir si les gens qui sont en Zoom entendent bien. Parfaitement. Ah, superbe, très bien. Okay. Voilà, donc on va faire un petit peu comme ce matin, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux présentations. L'une après l'autre de 10 minutes, et ensuite on fera une interruption pour poser des questions. De 50 à 10, ça fait 20 minutes. Et ensuite, on refera deux présentations et de nouveau des questions à propos des deux communications. Et nous aurons un temps d'échange après aussi. Donc, on pourra bien discuter. Et voilà. Et on vous lâchera un petit peu avant la reprise en séance plénière, puisque nous devons préparer notre pensum avec Patrick. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui présente ? Donc, la participation à la réforme du deuxième cycle. C'est toi qui présente ? Exactement. Tu as fait technicien et orateur. J'ai fait les deux. Bravo, merci. Donc, c'est la participation. Et toi, tu t'appelles ? Nicolas Guillon. Exactement. Voilà, Nicolas Guillon. Donc, va vous présenter, au nom de son équipe, je suppose, la participation à la réforme du deuxième cycle des études de médecine à travers les ECOS, mobilisant des patients formateurs du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Tu as la parole pour 10 minutes. Ok, on va essayer de tenir les 10 minutes. Comme présenté, je m'appelle Nicolas Guillot. Moi, je suis étudiant en médecine à Nice, étudiant en quatrième année. Je suis également en année de césure, mais je ne vais pas commencer à détailler tout ça, sinon on ne tiendra jamais 10 minutes. Et moi, j'ai participé du coup au DU Art du Soin qui est proposé à Nice, proposé par Jean-Michel Benatar et également Luigi Flora sur Nice, également avec David Darmon, qui ont proposé ce DU. J'ai participé à ce DU l'an dernier, où du coup, à la fin, j'ai soutenu mon DU à la fin. Du coup, j'étais diplômé du DU. Et c'est ce projet-là qu'on vous présente. C'est par rapport à ce projet de DU que j'ai voulu apporter sous la réforme du second cycle des études médicales. Je vais vous expliquer un petit peu où ça en est au niveau études médicales pour un peu bien vous situer. Et c'est par rapport aux ECOS. Je vais expliquer ce que c'est un ECOS, ne vous inquiétez pas. C'est un truc assez barbare, mais je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Et du coup, mon projet, ça se porte là-dessus. Et surtout, j'ai trouvé ça une porte d'entrée, en fait, par rapport à cette réforme où, cette fois-ci, je vais vous expliquer, mais en gros, les étudiants, maintenant, ne vont plus être évalués seulement sur les compétences, c'est-à-dire sur les connaissances qu'ils doivent savoir, mais ils vont également être évalués sur les compétences, donc sur une des mises en situation sur les ECOS. Je vais expliquer ça après. Et du coup, on a décidé que le projet du DU, ça serait d'incorporer des patients dans cette mise en situation. Vous allez voir comment ça se présente. Donc, pour commencer. Ça y va. Ça marche plus. J'existe pas. C'est bon. Du coup, bon, pour commencer, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier à déclarer, en tout cas. Du coup, pour vous situer un peu dans les études médicales, voici un peu le parcours d'un étudiant en médecine classique, on va dire. Donc, d'abord, il y a le premier cycle, le second cycle et l'internat. Ici, on va plutôt détailler sur le deuxième cycle. C'est en gros sur quoi se porte en gros notre projet, enfin le projet sur les ECOS. Il faut savoir que ce second cycle, ça correspond à l'externat dans nos études médicales. C'est-à-dire qu'au début, on a le premier cycle, la première année avec le concours d'entrée, deuxième, troisième année qui sont les années, on va dire, tranquille. Et ensuite, on aborde le deuxième cycle avec l'externat où, en gros, on est à mi-temps à l'hôpital. On fait des stages à l'hôpital, on révise derrière et on révise pour préparer le concours national qui est l'ECN. D'accord ? Ça, c'était en gros la mise en place de base. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une réforme qui est passée sur ce second cycle, qu'on appelle la R2C. La R2C, elle a modifié un peu, en gros, comment on va évaluer les étudiants. Avant, c'était essentiellement sur des QCM, sur l'ECM qui passait également avec des lectures critiques d'articles. En bref, je ne vais pas tout détailler. Mais maintenant, ce second cycle, en tout cas sur l'ECN, on va évaluer sur, de 1, les QCM, mais sur des mises en situation sur les ECOS. D'accord ? Donc, mon projet se porte principalement sur le second cycle des études médicales. Ensuite, on aura différentes présentations de la même équipe et vous présenterons l'après, durant l'internat, durant les thèses. On peut également avoir l'implication de patients dans ces moments-là. Donc, ça, c'est le gros schéma qu'on a vu tout à l'heure. Pour désamorcer un peu tout ça, ne vous inquiétez pas, on s'occupe que de la partie ici. Au moins, ça fera moins lourd. Du coup, en haut à droite, c'était le DU Art du Soin auquel j'ai participé. D'accord ? J'ai voulu mettre un projet en place avec Jean-Michel, également avec Kaline, un autre étudiant en médecine qui n'est pas présent, et avec les différents acteurs du DU,
À partir du début du soin, on a voulu mettre en place des ateliers ECOS en webinaire. C'est-à-dire qu'on a proposé en fait aux étudiants des mises en situation en ligne à partir de différentes situations que je vais aborder juste après. Qui, en gros, on a présenté différentes thématiques avec du coup des ECOS en ligne. Je vous expliquerai après, en gros, les différents thèmes qui ont été abordés. Ensuite, on a fait, ça a permis de mettre en place des ateliers ECOS en présentiel qui ont été mis en place à la faculté parce qu'à cause du Covid, tout était mis en distanciel hein, sur Zoom, les webinaires ECOS. Ensuite, on a réussi à mettre ça en place avec des ateliers ECOS en présentiel à la faculté, c'est différent. Et du coup, ça nous a permis en fait simplement d'évaluer en fait les étudiants en présentiel. Et après ça, je vous expliquerai juste après. Donc, pour expliquer un peu notre parcours, on va dire sur les différentes thématiques qu'on a abordées durant ces webinaires, on a abordé trois thèmes majoritaires. L'annonce de maladies graves, l'erreur thérapeutique et l'harcèlement professionnel. Ce sont en gros les trois thèmes qu'on a abordés durant ces séances de webinaires. Ces séances de webinaires durent environ chacune 1h30 à 2h. D'accord ? Elles se découpent à chaque fois de la même façon. Je vais vous expliquer un peu le processus de fabrication de ces webinaires. Donc, pour mettre en place un webinaire ECOS, tout d'abord, on avait une concertation ensemble sur quel thème on va aborder. Le premier thème, c'est abordé avec une thématique qu'on a abordée durant le DU sur l'annonce de la maladie grave. L'annonce, par exemple, l'annonce d'un cancer. On avait discuté avec Jean-Michel et Luigi. On a discuté et on a voulu mettre cette thématique en place. On l'a mise en place avec des étudiants en médecine, des médecins et des patients partenaires. On a discuté de la situation, on a recherché le thème et surtout, un truc prioritaire dans notre mise en place de webinaire ECOS, c'est qu'on se basait sur une œuvre d'art. À chaque thème, on se base sur une œuvre d'art. Par exemple, pour l'annonce de maladies graves, pour le cancer, on s'est inspiré du film Vite sur une petite séquence du film. Je vais vous montrer juste après l'image du film. Ensuite, on prépare les stations ECOS. Je vais vous expliquer, n'inquiétez pas après. Les stations ECOS, on va évaluer les grilles évaluateurs, les grilles, les fiches patients, etc. Et on va planifier la séance. Comment se déroule la séance? Oui, 4 minutes. Du coup, le déroulement de la séance, c'était tout d'abord, on présente le thème. Ensuite, on présente les participants. On fait l'ECOS, on propose à un étudiant de participer à l'ECOS et ensuite on a un retour derrière par rapport à la situation. Maintenant, et ensuite à la fin de la session, bien sûr, on envoyait un formulaire pour les prochaines sessions. Donc maintenant, je pense qu'une question depuis tout à l'heure. Ah. Ok, c'est bon. Vous avez du son? Non, vous n'avez pas de son. Oui. Dans le PowerPoint? Non. Non. C'est bon. Je donnerai une minute de plus, t'inquiète pas. On va essayer d'expliquer ça parce que c'est. Le problème, c'est que c'est long à expliquer, mais c'est assez. Okay. Donc, je pense déjà pour un peu dégrossir un peu tout ça sur les ECOS, très rapidement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le principe d'un ECOS, ou examen clinique objectif et structuré, c'est mise en situation d'étudiants en médecine. Comment ça se passe? Les étudiants en médecine, en fait, seront confrontés à des mises en situation qu'ils peuvent retrouver pendant l'externat ou des situations comme, par exemple, annoncer une maladie grave. D'accord? Donc, en fait, ici, la situation, c'est un étudiant arrive. Il a une consigne étudiante. Oui, c'est vrai. Il y a une consigne étudiante qui est devant la porte d'entrée. Donc, par exemple, l'étudiant est derrière la salle. Il y a une consigne étudiante avec marqué « Vous êtes externe. Vous allez vous rencontrer, vous allez rencontrer Monsieur X qui a une pathologie X. Vous allez devoir l'annoncer, par exemple, ses résultats radiologiques. Donc, par exemple, un cancer pulmonaire ou autre. D'accord ? L'étudiant doit lire la consigne. Il a une minute pour lire. Ensuite, dès qu'il a fini de lire, il rentre dans la salle et il a 7 minutes pour répondre à la consigne. Par exemple, annoncer un cancer. Okay. Au bout des 7 minutes, c'est face à un patient partenaire, bien sûr. Ils vont interagir en 7 minutes. Parfois, ça peut durer 7 minutes pile. Parfois, ça peut durer beaucoup moins. Ça dépend des situations. Et ensuite, au bout de 7 minutes, l'étudiant sort. Et ensuite, nous, dans l'ECOS formatif qu'on avait fait en présentiel, ils se sont retrouvés en fait, dans la salle numéro 4. Où en fait, on avait nos étudiants qui pouvaient voir les autres étudiants qui passaient après eux en vidéo. Okay.
Donc ça, après, c'était les différents points. Désolé si je me suis un peu embrouillé, mais j'ai essayé d'expliquer ça plus rapidement. Du coup, c'est les différents, on va dire, les différentes thématiques qu'on avait faites. Ensuite, pour continuer, pour le déroulement des webinaires ECOS, comme je vous ai dit, c'est toujours la même façon. On choisit un thème. Ensuite, on fait à partir d'une œuvre d'art, donc par exemple un film, Le Vide, ou encore sur le syndrome méditerranéen, sur l'erreur médicale, ou encore sur une BD, par exemple, pour l'harcèlement professionnel. Ensuite, on avait toujours une minute. Est-ce que vous pouvez demander aux gens qui sont à distance de couper leur micro ? Je ne suis pas là-bas. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. C'est bon. Et du coup, ensuite, on avait toujours une présentation du sujet, par exemple, par un étudiant, un patient ou un professionnel de santé qui présentait, par exemple, le sujet sur l'annoncer une erreur médicale, par exemple, sur le point juridique entre aléa thérapeutique ou encore erreur médicale, quels sont les enjeux derrière. Et enfin, on avait toujours cette situation ECOS. En fait, vous voyez ici un peu à quoi ça ressemble. On présentait toujours qu'est-ce que c'est les ECOS, en gros, que c'était dans la réforme du second cycle, que du coup, ça allait impliquer les étudiants de ma promotion de quatrième année qui vont passer les ECOS en 2024. Et du coup, ça se présentait ainsi. Les étudiants avaient une consigne patiente, étudiant ici, avec en gras la consigne auquel ils devaient répondre en 7 minutes. Okay. On leur présentait ça, on le lisait. Ils réalisaient la session ECOS pendant 7 minutes. Et ensuite, à la fin des 7 minutes, on débriefait avec le patient, tous les gens qui étaient présents dans le webinaire, par rapport également à une grille ECOS qu'on avait réalisée et co-construite avec étudiants, patients et également médecins. On avait co-construit ensemble. Et ensuite, à la fin des séances webinaires, on envoyait un formulaire pour la prochaine séance. C'est pour ça qu'au début, on est parti de l'annonce de maladie grave. Et ensuite, les différents étudiants ont soumis les différentes idées sur l'erreur médicale ou l'harcèlement professionnel. Très bien. Du coup, petite évaluation sur l'expérience des sessions ECOS qu'on a fait en présentiel. Donc, au début, on avait fait en distanciel sur Zoom et ensuite, on a fait en présentiel à la fac. C'est un enjeu assez important parce que c'était difficile vu le contexte sanitaire. Du coup, les évaluations par rapport à ça, on a eu plein de retours négatifs comme positifs auprès des étudiants. J'ai synthétisé un peu la réponse des étudiants qui, la plupart des réponses négatives, c'était surtout sur la subjectivité des patients et aussi sur la standardisation des patients. Parce que dans la situation ECOS, l'étudiant est face à un patient qui, du coup, peut réagir différemment en fonction des patients. Donc, okay, ça peut être très différent. Nous, dans la situation ECOS en présentiel, on avait une salle où une patiente était beaucoup plus répondante, elle rentrait dedans beaucoup plus facilement, et d'autres patientes étaient beaucoup plus calmes et peut-être abordaient la situation différemment. Et du coup, cette question-là s'est posée. Au milieu, on a vu que la fiche consigne pouvait être améliorée. Ça, en orange, c'était les choses qu'on pouvait améliorer, en tout cas dans la situation. Et en vert, c'était les points positifs où les étudiants ont trouvé des situations assez réalistes et surtout que c'était très formateur, en tout cas dans le cursus médical. Et c'est des situations qu'on aborde très peu, en tout cas dans nos cursus médical et surtout dans nos cours, en règle générale. On est plutôt sur apprendre des choses factuelles et pas forcément des choses comme ça où on peut réagir face à des situations comme annoncer une erreur thérapeutique, c'est assez compliqué et ça peut être très difficile, en tout cas, à aborder si c'est abordé pour la première fois dans un stage. Une minute. Ça, c'était juste pour illustrer un peu le contraste entre ce qu'on avait vu et ce qu'on avait obtenu derrière avec les résultats. C'est que les patients disent qu'il y a une certaine subjectivité des patients et un problème de standardisation. Mais derrière, dans les résultats des notes des étudiants, les notes dans les trois salles étaient similaires. C'est-à-dire que même si les patients étaient assez différents, les notes derrière des étudiants qui ont obtenu sont assez similaires. Ici, c'est noté sur 5. Vous voyez que la moyenne est à peu près égale. Okay. Du coup, conclusion, ce projet a été mis en place pour, en tout cas, les deuxième et troisième années, également quatrième année. C'est un projet qui était sur le fond d'aider en fait, les étudiants en soi à se préparer pour cette réforme. Après, je sais que beaucoup sont un peu au courant par rapport à ça, mais très peu savent un peu les enjeux de cette réforme, de la RE2C et surtout de la mise en place de ces ECOS, qui sont certes une chose qui peut être très bénéfique parce qu'en soi, maintenant, les universités se bougent, entre guillemets, pour inclure des patients dans ces cursus-là parce qu'ils se disent, maintenant, il y a du relationnel, il y a de la communication, il faut inclure les patients. Et moi, c'est un truc que j'ai abordé un petit peu, j'ai trouvé ça un peu dommage que maintenant, la faculté attend une réforme pour faire une chose qu'ils auraient pu faire avant, c'est-à-dire inclure des patients dans le cursus médical. C'était un peu le,
le entre guillemets que j'avais trouvé un peu dommage. Et également, dernier point, après je laisse tout ça, c'était que forcément c'était un projet qui de base passe sur un bon fond, mais également il faut qu'il y ait la participation des étudiants qui n'étaient parfois pas très au rendez-vous, mais je peux comprendre par rapport aux cours ou quoi, ils ne sont pas disponibles. Mais le peu d'étudiants en tout cas qui ont participé, une trentaine, ont été très satisfaits et même certains ne pensaient, enfin, ça leur a un peu changé l'esprit. Et je pense que si on arrive un peu à mettre ça plus en place dans le cursus, un peu plus tôt, par exemple, aux deuxième année, on a fait un ECOS très récemment. Là, récemment, on a vu en septembre, en octobre, un ECOS avec des deuxième années qui étaient vraiment très investis. Et plus tôt on les inculte avec ces ECOS, avec les patients, bah, en fait, plus tôt ils auront l'habitude d'avoir ces formations-là avec les patients. Voilà un peu le mot de conclusion que je voulais dire. Super, merci. Je suis désolé si je me suis embrouillé parfois. Non, c'est pas grave. Mais voilà. Voilà. Je laisse la main. Donc, on va passer à la deuxième présentation. Salut. Donc, Salut Couchette, présenter l'accompagnement de thèse de médecine générale avec des patients. Donc, nouvelle piste pédagogique de partenariat de soins avec les patients. On peut faire ça, donc, si j'ai compris. C'est ça. En premier lieu, juste avant de me présenter, pour être sûr de ne pas oublier à la fin, je voudrais signaler qu'il y a Marielle Ravaud qui est dans la pièce. Vous l'avez entendu ce matin s'exprimer sur le CI3P. Elle a participé dans le cadre des deux présentations, celle de Nicolas et la mienne. Donc, même si on n'a pas le temps dans les 10 minutes imparties de se donner la parole les uns les autres, elle sera là volontiers pour échanger avec vous à la fin. Voilà, donc je suis Tani Bouchet, je suis médecin généraliste installée en maison de santé pluriprofessionnelle universitaire dans les Alpes-Maritimes et je suis enseignante-chercheuse à la Fac de Nice au département de médecine générale, chargée de la recherche et puis je fais partie du trinôme qui gère les thèses depuis un certain temps. Et donc là, on voulait vous présenter comment est-ce qu'avec la naissance du CI3P, ben, le CI3P s'immisce un petit peu partout et donc pour ce qui est de ma partie, eh ben, c'est ce partenariat sur les thèses d'exercice de médecine générale. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt ni industriel ni en lien avec cette présentation en dehors de mon engagement militant pour la recherche en soins primaires. Donc je reprends la production de Nicolas là-dessus pour vous dire que maintenant, on est en fait à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont fini, je parle de mes étudiants qui sont des étudiants en troisième cycle de médecine générale, donc ils ont fini leurs 6 ans, passé leur concours, choisi médecine générale, et dans ces 3 années de spécialisation qu'ils ont, ils doivent produire un travail de recherche dans leur discipline qu'on appelle la thèse, qui est un peu différent d'une thèse de doctorat ou d'université pour ceux d'entre vous qui sont familiers de ça. Qu'est-ce que c'est le processus de thèse d'exercice? J'avoue que je ne savais pas exactement quel auditoire il y aurait au colloque, c'est ma première participation, donc j'ai essayé de reprendre quand même pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers des études médicales ou qui seraient patients non familiers de ça. Donc, d'abord, il y a une idée, on va se questionner en tant qu'interne la plupart du temps vis-à-vis de sa pratique et on se dit, il y a quelque chose qui me chiffonne, il y a quelque chose où j'ai l'impression de manquer de perspective ou en tout cas qui me manque de la connaissance ou quelque chose pour comprendre. Ensuite de là on se dit ok, donc le diabète ou l'éducation thérapeutique ou l'approche partenariale ça me questionne, mais c'est un petit peu vague, il va falloir quand même que je précise, d'autres travaux ont été faits, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore et qu'est-ce qu'on veut savoir. Ensuite je vais essayer de me formuler du coup une question fine de recherche, un objectif, et je vais dessiner mon plan pour y arriver, c'est-à-dire formuler mon protocole, définir ma méthode pour répondre à cette question. Ensuite, je vais aller recueillir mes données pour y répondre. Un travail de recherche implique nécessairement un recueil de données dans votre spécialité. Je vais les analyser. Quand je dis « je », ça marche pour tout le monde, hein, je le fais aussi. Et puis donc, les étudiants vont ensuite effectivement commenter ces données, cette analyse, ce protocole, rédiger leur document de soutenance, leur manuscrit de thèse, la soutenir. Et puis, on le souhaite en tout cas, la valoriser. On y reviendra, mais l'objectif d'un travail de recherche, ce n'est pas qu'il soit sur une étagère, sinon en fait, ça va changer ma réflexion à moi, à mon jury, mais ça ne va pas améliorer les pratiques sur les territoires et auprès des patients et des populations. Donc, il y a un enjeu pour nous important, mais non obligatoire, de valorisation de ces travaux, que ce soit du coup à l'écrit ou à l'oral dans des communications comme ici. On remercie les étudiants qui font l'effort de se confronter à cet exercice. Au stade de la question, comment est-ce qu'on a développé notre approche partenariale? Pour voir si quelque chose est utile sur le plan social, entre notre perception académique ou notre perception dans les pratiques de ce qui peut être une question utile, c'est quand même assez intéressant d'aller la confronter à ce que des patients, ou un patient, des groupes de patients, ou même d'autres professionnels, en tout cas, de ne pas rester isolés,
pour avoir la plus grande pertinence de cette question. On va développer un travail de 12 à 18 mois, c'est quand même bien si c'est un enjeu considéré comme partagé. Et donc, ça a été le cas, je prends un des exemples. On est en train de débuter un travail sur la bibliothérapie dans le cadre de notre maison de santé avec une patiente partenaire dont les savoirs professionnels en tant que documentaliste vont pouvoir nourrir le projet. Et on réfléchit à voilà, comment rendre accessible la bibliothérapie au sein de la cité, etc., entre maison de santé et bibliothèque. Donc, à l'émergence du projet, on est déjà en partenariat. Rédiger la méthode avec le patient. Alors, ça, on a des patients, donc là, patients formateurs dans le cadre des thèses, mais qui sont aussi en fait des patients chercheurs et qui ont des savoirs professionnels autour de la recherche. Il s'agit en l'occurrence de Luigi Flora qui, sur un travail où on cherchait à savoir ce que pensaient les généralistes, les patients, les infirmiers et les étudiants en infirmiers de pratique avancée, on va voir tout ce que ce beau monde pensait du dispositif qui était censé être mis en place là maintenant. Comment ça va marcher? Qu'est-ce qu'ils pensent les uns les autres pour qu'on puisse faire ensuite des points d'étape? Autour de cette étude qualitative, un patient donc, a fait intégrer l'équipe d'encadrement des quatre étudiants pour définir la méthode. Pour recueillir les données, pour cette étude sur les infirmiers de pratique avancée, il y avait donc des patients, et via le CI3P, on sollicite souvent des patients pour les études qualitatives, heureusement, mais là, c'est via le CI3P, il y a quatre des patients d'échantillons qui ont pu être mis en contact en fait, avec l'équipe de recherche. Et au niveau de l'évaluation des applications mobiles en santé, on a vu que la production au niveau de l'évaluation des applications avait été faite par un certain nombre de patients partenaires, et c'est l'expérience que Marielle vous rapportait ce matin. Au niveau de l'analyse, à ce stade, on n'a pas eu d'expérience analyse, discussion et rédaction. Par contre, effectivement, au niveau des jurys de thèse, qui sont un petit peu plus souples maintenant qu'avant, on a pu faire participer en tant qu'invité des patients intégrés dans le travail. Ils pourraient même l'être quand ils ne sont pas participants initialement au travail pour être juge de cette utilité sociale des travaux. Il y a eu donc un certain nombre de valorisations avec des patients qui étaient co-auteurs. Encore une fois, c'est plus régulièrement Luigi Flora qui est par ailleurs, lui, a déjà une thèse d'université en sciences de l'éducation pour le coup. Mais donc plusieurs de ces travaux dans cette approche partenariale ont été publiés et valorisés également dans une approche partenariale. Et voilà, parfois, effectivement, pour les patients co-chercheurs, et on a un autre patient qui pourrait devenir co-chercheur, parce qu'il a aussi un cursus universitaire, ils peuvent même être à la jonction et de participer à l'ensemble du comité de pilotage, c'est-à-dire se situer au milieu, participer à l'orchestration. Le dernier truc, un peu plus récent, j'ai reçu les dernières grilles ce matin, c'est le prix de thèse de médecine générale de la faculté. Chaque année, X étudiants passent leur thèse, pour nous 70 en médecine générale, et puis à la fin de la thèse, quand c'est vraiment très bien, on dit félicitations du jury et nomination au prix de thèse. Ce que nous avons fait là pour cette année, une douzaine. Ensuite, on va évaluer ces 12 thèses pour juger laquelle est la meilleure et va avoir le prix devant tout le monde. Donc, d'habitude, c'est les universitaires, c'est-à-dire mes collègues du département, on juge et tout se passe bien. Cette année, j'ai récolté le prix de thèse et on s'est dit peut-être qu'on pourrait le faire différemment. Et donc, on va se mettre des trinômes universitaires, comme d'habitude, patients partenaires et maîtres de stage des universités. Il y a des généralistes qui, dans leur cabinet, accueillent des étudiants en troisième cycle, donc des futurs médecins généralistes, et ils sont fédérés dans un collège et ils sont maîtres de stage des universités. Donc, ils sont disséminés sur les territoires, en contact de soins, sans être académiques. Ils sont maîtres de stage des universités, mais ils ne sont pas enseignants-chercheurs en même temps. Et donc, cette année, 4 patients partenaires, 8 maîtres de stage et 9 enseignants-chercheurs ont participé à ce travail. Juste pour donner du coup les premiers éléments de réponse, eh bien, mes deux thésards qui auraient gagné s'il n'y avait que les étudiants chercheurs ont donc perdu. Je me suis auto-mis une épine dans le pied. Les patients partenaires et les maîtres de stage ne votent pas pour les mêmes travaux, pour des raisons diverses. C'est un travail sur les migrants en recherche qualitative qui a été notamment très bien noté, qui a eu 44 points sur 44 par notre patiente partenaire qui a évalué cette étude, et d'autres travaux sur l'utilité sociale, même s'ils sont très bien sur le point académique, sont peut-être moins parlants. Donc cette nouvelle expérience nous questionne quand même un petit peu la subjectivité de chacun. Est-ce qu'il faudrait 2 patients partenaires et 2 maîtres de stage par travail? Parce qu'il y a des écarts de notes allant jusqu'à 12 points, alors jusqu'à 17% entre les universitaires et les, on va dire, patients partenaires et maîtres de stage. Et entre patients partenaires et maîtres de stage, il y a parfois des gros écarts, les patients étant moins sévères que les maîtres de stage. Et globalement, moins sévères que les universitaires. Donc, on a un gradient de sévérité ou de bienveillance. Les patients partenaires sont plutôt bienveillants. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Donc, pour nous, il y a, et je mets en premier, en tout cas de mon point de vue, la notion de responsabilité sociale des universités. On a, nous, nos salaires de l'université, les salaires d'hôpital, et les internes, ils travaillent avec ça, ils produisent de la recherche, ils exposent des personnes à de la recherche, donc il y a des gens qui participent, en général à moindre risque dans nos disciplines, enfin quand même, et on ne rend pas forcément à la société ce qui nous a été donné. Donc pour nous, la publication, la valorisation, et donc maintenant même dès la réflexion,
penser à l'impact social de nos travaux académiques, c'est quelque chose d'essentiel. La deuxième chose, c'est que ça a pu permettre quand même de voir apparaître d'autres patients qui n'ont peut-être pas, alors en principe, qui recrutaient, mais en fait, qui recrutaient pourquoi ? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être dans des stations oncos ou de se faire palper leur hépatomégalie, leur foie qui est trop gros, etc. Mais qui ont peut-être, eux, envie, ils sont plus co-chercheurs, ou évalués, ça leur plaît bien, ou enfin voilà. Et donc, ça peut permettre, peut-être qu'on aura des entretiens, de recruter des patients nouveaux qui peuvent avoir envie d'autres types de partenariats, ou catalyser un petit peu des parcours, ou... développer comme ça voilà, plusieurs cordes à notre arc. On a une de nos patients partenaires, Maria pour en parler, elle est rentrée peut-être par une porte et du coup elle a été sollicitée pour ça, ça l'intéresse, comment on fait autrement. Donc ça fait varier les expériences de patients partenaires, recruter peut-être d'autres personnes. Et ce qui nous a quand même questionné, les patients, certains m'ont dit cet item j'ai du mal à l'évaluer sur un certain nombre de critères méthodologiques. On n'a pas voulu les enlever parce qu'on se disait pourquoi les médecins, eux, pourraient juger de la pertinence pour les patients et les territoires, et par contre les patients, ils pourraient juger que de leur propre éthique. On a quand même eu du mal à définir qui peut évaluer quoi, en cherchant effectivement donc, à être dans le respect de chacun et des connaissances et des compétences et des savoirs de chacun, et ce n'était pas très facile. En fonction des savoirs professionnels, certains patients partenaires ont pu être en fait finalement assez sévères, ou en tout cas très pointus, et d'autres avoir beaucoup plus de difficultés à répondre aux critères. Donc, on a eu cette hétérogénéité qui me questionne à mon échelle voilà, sur qu'est-ce qu'on fait des savoirs professionnels et savoirs expérientiels dans notre partenariat avec les patients. En orange, c'est ce qu'on a réussi à développer. En noir, c'est ce qu'on n'a pas développé. Et je vais laisser ça à l'écran pour, dans le temps d'échange, que vous puissiez... Nous, on est très preneurs de savoir comment vous faites chez vous. En fait, là, on présentait ça, mais on vient de le faire. On n'a aucune expertise particulière. Voilà, je suis assez intéressée de savoir si, de votre côté, vous développez des choses en ce sens ou si vous avez des commentaires sur notre initiative. Je vous remercie de votre attention. Il y a nos coordonnées, mais je laisserai ça à l'écran si vous êtes d'accord. OK, merci beaucoup. Voilà, on est vraiment dans l'expérience et on est dans l'avenir, on se projette avec la réforme. Et donc, et voilà, donc, on va ouvrir la question. Et on va peut-être commencer par le numérique. Ça va lancer après le débat ici. Alors, sur la présentation numéro 1, alors, par contre, les intervenants, on aura besoin de vous. Et si vous pouvez formuler la question que je vous pose, parce qu'en fait, on entend le micro. En fait, on entend tout le temps le poste. Merci. Donc, reformuler synthétiquement. Question de Irène. Est-ce que c'est l'université qui a demandé à ce qu'il y ait une préparation des échos avec des patients plutôt qu'avec des patients simulés, entre parenthèses, comédiens. Est-ce que l'initiative de faire participer des patients partenaires plutôt que des patients acteurs comédiens ou des patients simulés, il y a aussi des mannequins, j'imagine, est-ce que l'initiative de prendre plutôt des patients partenaires vient de la faculté ou pas? Alors du coup, par rapport à ce projet-là, moi je l'ai fait par rapport à mon projet de début, et ce n'est pas en lien avec l'université, c'était vraiment en tout cas un projet qui est né au sein de notre DU universitaire, un diplôme universitaire, c'était vraiment un projet de pouvoir en fait aider les étudiants avec du coup les patients partenaires qui sont déjà dans le DU. C'est avec eux qu'on a fait co-construit ces différentes sessions ECOS, et c'était vraiment dans un but à la fois d'aider en fait les étudiants avec cette réforme là en les préparant aux ECOS, et également d'aborder des sujets qui sont très peu abordés en tout cas dans le cursus médical et qui normalement leur serviront, en tout cas pour moi, ça m'a servi dans mes stages, qui leur serviront tout au long du cursus, sur les 10 grands thèmes qu'on vous a présentés tout à l'heure, sur l'annonce de maladies graves, etc. Si je peux me permettre, pardon, je vous coupe de compléter. Il y a quand même, donc, au niveau de notre faculté, une impulsion, au sens où c'est quand même le doyen Baquet qui a donc, dédié son pays de médecine générale à accompagner la naissance du CI3P, donc il y a quand même cette intention partenariale, même si spécifiquement sur ce projet, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que le fait que ça puisse venir du terrain et des étudiants du partenariat du DU en partenariat avec le soin, c'est important. La faculté, elle a un enjeu de ressources humaines pour réussir à faire tous les échos. En fait, ça représente une ressource humaine incroyable. Plus il y a de patients investis, moins eux, ils ont besoin de payer des patients acteurs. Donc déjà, il y a ça. Et puis, ils privilégient sinon les stations sans humains. Ça existe, vous allez regarder, je ne sais pas, un résultat de frottis, et puis vous allez... Il y a aussi des stations où il n'y a pas juste de personnes. Donc, pour travailler sur la relation, c'est un peu plus délicat. Et puis, sinon, ils mobilisent aussi parfois des étudiants qui vont jouer les patients simulés, ce qui peut être intéressant aussi en termes de posture et d'apprentissage. Mais ils sont obligés un petit peu de panéliser la façon dont ils font, parce que les échos, ça mobilise vraiment beaucoup de monde. Alors, on me demande si vous pourriez baisser votre masque quand vous parlez dans le micro. Ah, c'est, pardon. Voilà, ça va. Oui. Pas, en fait. Oui.
Pour la présentation numéro 2, la subjectivité des patients ou des patients partenaires mis en situation constitue-t-elle un problème? Je vais peut-être vous accepter par le même. Ah, mais faut que je refasse. Après, il y en a d'autres. Alors, est-ce que la subjectivité des patients est un problème? En fait, on a un enjeu, on va dire, d'équité quand même. Les 12 étudiants, chacun veut éventuellement avoir un coup de tête, enfin, en tout cas, valoriser les travaux académiques qu'ils méritent, c'est quand même légitime. Et donc, il faut qu'il y ait quand même une relative équité. Donc, c'est vrai que s'il y a une grande différence interjuge avec, sur un travail, je tombe sur deux juges très sévères, assez franchement, pour avoir lu les évaluations, il y a des travaux qui ont été un peu durement évalués et d'autres qui ont été assez valorisés. Donc, assez probablement, on le refait une autre fois et j'inverse qui est l'évaluateur de quel travail, on a un résultat qui est quand même différent. Donc oui, pour des raisons d'équité, on peut se questionner sur, c'est toujours subjectif, l'intérêt là de mettre trois personnes, c'était d'être plus pertinent sur le plan de la responsabilité sociale, etc. Mais s'il y avait deux maîtres de stage, deux enseignants-chercheurs et deux patients partenaires par projet, on pourrait au moins faire la moyenne des notes, comme ça se fait dans la plupart des examens académiques. Deuxième question, c'est joue-t-il un rôle j'utilise un rôle composé spécialement pour l'évaluation ou leur cas en tant que patient réel qui constitue une mise en situation réaliste pour les étudiants. Je sais pas compris. Est-ce que en fait, là, ce qui joue entre guillemets, standardisé. Ah, c'est sur les échos. C'est pas sur la tête. C'est quoi? Est-ce qu'ils jouent leur propre rôle de patient ou alors est-ce qu'ils ont inscrit quelque chose qui est standardisé? Est-ce que les patients partenaires qui jouent le patient dans les échos ont une situation standardisée ou jouent leur incarne finalement leur propre parcours? Pour répondre à ça, en fait, il faut savoir que les étudiants seront évalués aux échos à partir de situations de départ qui ont été en tout cas signées pour la réforme du second cycle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations de départ, comme par exemple diagnostiquer un cancer du monde, diagnostiquer, enfin interpréter des analyses ou autres. Et en fait, les patients ne vont pas prendre leur vécu et jouer en fait leur propre rôle. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir à disposition, ce qu'on a fait nous, en tout cas dans les écoles, une consigne patient, c'est-à-dire qu'on va leur dire qu'est-ce qu'ils doivent dire en fait aux étudiants. C'est ça en fait le principe. Et ils peuvent, nous en tout cas dans les écoles, ce qu'on a fait en ligne, on les dirigeait vers ce qu'ils devaient dire, parce qu'en gros, bah, c'est l'étudiant qui est évalué, donc il doit répondre à certains critères, et que si on commence à laisser divaguer, bah, on ne va pas pouvoir évaluer l'étudiant correctement. On leur disait en fait des points d'accès qu'ils devaient aborder, et ensuite, c'était grâce à ça qu'on évaluait les étudiants. Mais c'est eux, après, ils ont leur propre vécu. Parfois, la situation faisait en sorte qu'ils avaient déjà vécu cette situation-là auparavant, mais en tout cas, les patients partenaires qui participaient, comme Maria qui avait participé à la session écosse et tout, c'était sur des situations qu'ils n'avaient jamais vécues et du coup, c'était des choses qu'ils devaient jouer. Mais après, avec leur ressenti de patient, leur parcours patient, ils pouvaient ramener des émotions qu'ils avaient déjà vécues, en tout cas dans leur parcours de soins. C'était par rapport à ça. Oui, je vais peut-être juste dire un tout petit mot parce que je travaille un petit peu dessus. Là, c'est une expérience très intéressante au niveau du DU et qui permet d'aborder en fait en douceur en fait ce qui va se passer. Malheureusement, bon, les écoles, il faut aussi des règles très très strictes, donc il y a des scripts parce que l'idée c'est de pas d'être complètement équitable par rapport aux étudiants. Et donc, il faut que ceux qui jouent les rôles eh bien, disent exactement, enfin, aient les mêmes réponses pour qu'on puisse évaluer de la même manière. Donc, on ne peut pas diverger par rapport au rôle assigné. Donc, ce qui, à mon avis, est quand même un gros problème. Mais néanmoins, c'est comme ça que c'est conçu, les écos. Et la dernière question, après on ira là. C'est quels sont les profils patients-chercheurs? Le principal patient-chercheur avec qui on travaille, c'est le co-directeur du CI3P, qui est Moody Flora, qui est donc docteur en sciences de l'éducation. Et l'autre patient-chercheur qui m'a proposé de rencontrer assez prochainement n'est pas du tout chercheur en santé, ni en sciences, ni en sociaux, ni en sciences de l'éducation, des personnes qu'on côtoie plus habituellement. Il est chercheur, je ne sais pas si en ingénierie, etc. Mais du coup, il a cette démarche, effectivement, de pouvoir se poser une question, développer un certain nombre de méthodes, juger de la rigueur d'un travail. Et puis, effectivement, ce sera un peu au début, on dira bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, c'est pas si simple que ça. Et puis finalement, probablement qu'on développera des choses nouvelles. Mais en fait, vraiment, pour l'instant, c'est très minoritaire. Le fait d'avoir identifié parmi le pool de patients partenaires qui font partie du CI3P. Voilà, donc je les rencontre bientôt, un deuxième patient chercheur, qui ne sera pas de notre sphère habituelle des différents laboratoires dans lesquels on peut travailler. Et on va découvrir ce qu'on peut faire de nouveau et de différent. Il y a des patients qui voulaient travailler sur les objets connectés, comme c'était abordé ce matin. Et autour de ça, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui va être chez nous, on a le grand pôle de l'INRIA, donc peut-être qu'on pourra travailler autour de ces nouvelles thématiques. Ça nous obligera à nous décentrer un petit peu de notre cœur de centre d'intérêt de notre département, mais
Je pense que c'est un des enjeux aussi du partenariat. Excusez-moi, ça veut dire que vous attendez par rapport à ce patient chercheur, c'est qu'il a même qu'il ait des compétences de recherche qui soient à même de comprendre la logique de recherche, la problématisation. Je pense qu'on peut être patient co-chercheur aux différents stades. C'est ce qu'on disait par exemple la personne bibliothécaire avec qui je vais travailler sur le fait de se dire mais en fait, qu'est-ce qui pose problème dans l'accès à la bibliothérapie ou moi, je ne sais pas vraiment comment les gérer dans les sources documentaires, comment on peut faire venir, qu'est-ce qui est pertinent sur, j'en sais rien, l'argumentation. Enfin voilà, on peut être co-chercheuse à l'instant de la formulation de la question. Mais effectivement, si on est dans le fait d'écrire le protocole ou d'aller comme aujourd'hui, Luigi présente le projet à PIAPS sur les applications mobiles de l'ANR à Paris. C'est parce qu'en partie, il est chercheur. Donc, je pense qu'on peut être co-chercheur à la différents stades et du coup, on attendra pour le coup, on sait toujours quel patient prendre, entre guillemets. Ça dépendra du stade, en fait. Et du coup, là, l'intérêt de cette présentation était de se dire différents types de patients peuvent soit contribuer en évaluant, en répondant, etc. Et quand même, ils contribuent à la recherche. Alors, c'est informé sur la formation. Donc, moi, je travaille sur l'enseignement à la recherche, donc c'est un peu délicat. Mais donc, ils sont à la fois soit co-formateurs en partie, puisqu'ils accompagnent les travaux de thèse, soit co-chercheurs. Mais je pense vraiment qu'il y a de la place pour les patients non-chercheurs, notamment dans l'élaboration de la question et dans le jugement de la pertinence pour leur propre parcours, leur propre communauté. C'est-à-dire qu'en un jury thèse, il va dire « Ok, mais en fait, vos conséquences, elles sont soit c'est inapplicable, ce qui n'est pas forcément une critique, ça peut juste se discuter, mais discuter de l'applicabilité, discuter de la pertinence. » Donc, en bout de chaîne, en début de chaîne, je pense qu'il faut pas du tout de compétences méthodologiques et pour répondre à un entretien non plus, pour évaluer non plus. Donc, être un peu plus partenaire dans le recueil de données pour pas juste être personne participant à la recherche sans forcément… savoir comment est-ce qu'on contacte aussi une population. On utilise les populations du cycle d'accès en recherche qualitative, on le sait. Donc, on peut passer quand même par des pairs pour rentrer dans des communautés. Et du coup, ils participent quand même au travail de recherche en étant le vecteur, en travaillant sur la lettre d'information pour certaines populations, peut-être avec des difficultés de langage ou des spécificités. Un ado, si je lui fais une lettre d'information, elle va peut-être être nulle. Si je prends un ado, ce sera peut-être nulle. C'est ça, il y a la méthodologie et la pertinence de la recherche. Et puis, du coup, il y a aussi le côté éthique. Donc c'est des rôles différents et c'est bien que ce soit un peu différent. Un patient éthicien serait bien. Ça peut aussi être. Enfin, peut-être que sur ces trucs vraiment très société et éthique, il y a des choses aussi. Bon, on va prendre les questions ici. Voilà. Merci beaucoup. On va faire une transition un peu naturelle, puisque je suis moi-même docteur en éthique et médicale. J'ai une question à la fois éthique. Et déontologique par rapport aux patients formateurs, aux patients experts, éventuellement patients formateurs. On a eu ce matin une très belle intervention d'une patiente d'Atelier Carmonde, c'était très touchant, mon avis, son témoignage. Je considère que ce témoignage a tout autant de valeur. Le témoignage d'un patient formateur qui a suivi des études académiques dans sa pathologie ou dans d'autres pathologies. Et à ce titre-là, je me pose la question de la rémunération et de la reconnaissance salariale, statutaire des patients chercheurs et des patients intervenants en règle générale. J'estime que je reprends ce que dit Catherine Tourette-Turgis, la maladie peut être une occasion d'apprentissage et de formation et de transmission. Et je peux très bien concevoir que le fait d'être patient, expert, patient formateur puisse être un travail, puisse être quelque chose qui est reconnu, valorisé et salarié. Ceci dit, il y a un certain nombre de patients, on l'a vu sur un poster ce matin, qui disent « Moi, ma maladie, ce n'est pas mon travail, j'ai un travail à côté. » Voilà. Donc, quelle articulation faire entre toutes ces positions? Je ne suis pas du tout experte, beaucoup moins que d'autres personnes ici ou les conversations qu'il y a pu avoir en plénière. Ce que moi, je sais, c'est que de notre côté, on a compris qu'il y avait un gros enjeu de lobby sur les administrations. Donc, les juristes de l'Université Côte d'Azur sont en lien avec les co-directeurs du CI3P pour définir ce statut-là, pour effectivement que les gens, à la fin, ne perdent pas leurs droits, qu'on soit dans le bon cadre, etc. À mon niveau, à ce stade, avec Multiflore, on essaie de constituer une fiche de poste, c'est-à-dire… Quand autour de la recherche, j'ai besoin, on va dire, peut-être certainement parfois d'un profil particulier, la personne documentaliste, on a cette fiche où la personne va pouvoir aussi dire, je vais mettre des contraintes de terrain. Il faut aller au quatrième étage de la cathédrale parce que vraiment, la musique et la santé, c'est très important, mais il n'y a pas d'ascenseur. Il puisse y avoir des contraintes où il faut pouvoir être 4 heures. Donc, on essaye de, comme ça, créer cette espèce de fiche de mission
qui ensuite serviront pour derrière ce qui pourrait être à la fois l'identification des patients et normalement leur rémunération. Je dois mettre combien de temps je pense que ça va prendre, y compris de trajet, est-ce qu'il y aura des indemnités de déplacement, mais à ce stade derrière sur qui va gagner quoi, en dehors de projets de recherche, parce que par exemple pour API Apps, les personnes qui ont évalué les applications étaient financées en tant que patients par les sous de l'Agence nationale de la recherche. Mais en dehors d'appels à projets spécifiques, pour le tout venant entre guillemets de la formation, je pense que ça dépend vraiment, pour le coup, ce n'est pas ma compétence. Chez nous, c'est en discussion avec les juristes et Jean-Michel saura beaucoup mieux en parler que moi, puisque non plus. Madame, ce que je voulais dire, c'était que pour nous, un patient partenaire doit avoir une reconnaissance financière. Une reconnaissance tout court qui passe par une reconnaissance et une reconnaissance financière. Et par rapport à, je voulais y revenir parce que je n'ai pas pu intervenir ce matin. Tu ne veux pas venir là parce que... Alors, il semblerait qu'ils entendent les données juste de la voix et dans la salle d'essayement. Par rapport à l'intervention de Lucienne Soulier, en fait, de la TD CarMonde, vous avez vu comment, en quelques mots, c'est-à-dire soigner sans juger, par exemple, en trois mots, comment elle a pu éclairer qu'est-ce que c'est que le soin. Et donc là, vous pouvez avoir la valeur de la parole des patients, mais en quelques secondes. Et ça, par rapport à tout le reste, mais pour moi, il n'y a pas dans une balance. Enfin, sa parole, c'est sa parole qui a le plus de valeur de tout ce qu'on a entendu. Donc, nous, en tout cas, on ne pense pas que les patients partenaires doivent être formés. On pense que les patients partenaires doivent être reconnus dans leurs compétences, dans leur savoir expérientiel. Et notre travail de recrutement, c'est la reconnaissance de ces savoirs sans qu'il y ait besoin de formation. La seule formation, c'est la formation pour participer à des ateliers. On leur explique qu'est-ce que ça va être, par exemple, pour participer à leur ECOS. Donc, on fait une séance de formation ECOS avec des patients qui vont intervenir dans les ECOS. Voilà, mais pas de formation de patients chez nous. Ça peut, puisqu'on a le début de l'art du soin, on forme à la fois des étudiants, des patients, des professionnels. Donc, c'est une formation, mais cette formation n'est pas du tout obligatoire. Et puis, il y a des personnes qui veulent être formées et qui ne vont pas intervenir. On va juste prendre une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé un peu de temps. Karim Leschrif, patient partenaire du CHUD, qui est donc engagé. En fait, à la base, j'avais deux questions courtes, une pour chacun. Merci d'avoir de votre présentation. Pour ce qui concerne l'ECOS, quel intérêt finalement, si tout est scénarisé, scripté, de prendre un patient partenaire, pas prendre un étudiant, donc si tout est écrit. Et la deuxième question, c'était pour tout le parcours de thèse, j'ai bien compris tout le processus, les patients partenaires à la fin du processus pour l'évaluation. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un comité de validation des sujets en début, de parcours, est-ce que et dans ce comité, y a-t-il des patients partenaires qui participent à la validation des sujets? Tu veux commencer? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question sur pourquoi on mettrait des patients si c'est standardisé. En soi, ils ont leurs consignes, donc en soi, ils ne font qu'interpréter une consigne, ils ne développent pas eux-mêmes leurs pensées. Il faut savoir une chose, c'est que nous, en tout cas dans le thème, enfin en tout cas le projet qu'on a fait, le but c'était à la fois d'entraîner les étudiants aux ECOS, mais également apporter des thèmes importants en tout cas pour les étudiants. Là ici, on les entraîne par le biais des ECOS, mais c'est par ce biais d'ECOS qu'on apporte en fait des grands thèmes comme l'annonce de maladie, l'erreur thérapeutique. Et en fait, inculquer en fait les patients dans ces séances ECOS qu'on a proposées, c'était pas dans le but d'évaluer, de donner une note, et pas dans le but de faire la réforme, en tout cas la chose qui va classer les étudiants, on va dire, à la sixième année, en cinquième année, on va dire. Mais c'était vraiment dans le but de, via ces ECOS, via cet entraînement, apporter, en fait, tout simplement, ces différents thèmes et permettre, en fait, d'avoir de répondre à des objectifs pour la continuité de notre formation. C'est-à-dire vraiment apporter du plus pour les étudiants via ces ECOS. C'est vraiment un entraînement, mais via cet entraînement, on apporte, en fait, les thèmes. C'est vraiment par ça. Et c'est pour ça que les patients étaient vraiment super importants dans nos ECOS. Parce que c'était grâce aux échanges après quand on débattait sur la situation avec les patients et les étudiants qui avaient par exemple passé l'ECOS, que vraiment ce temps d'échange était vraiment très enrichissant parce que pour la première fois ils étaient évalués face à un vrai patient qui disait j'ai ressenti ça pendant que tu as fait ça, moi c'est en situation réelle j'aurais peut-être dit ça comme ça, etc. Et vraiment ça c'était super important et c'est une chose qu'on ne pourra pas retrouver avec des acteurs. Un acteur il va jouer le rôle, on va lui dire
j'ai joué ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Il va dire, bah non, je vais juste préciser la ligne de texte. Et c'est pour ça que les patients partenaires sont en soi très importants dans les écosses. Même si c'est standardisé, derrière, ils peuvent apporter le plus qu'un acteur ne peut pas apporter. On pourra en reparler tout à l'heure dans la grande discussion générale, juste un petit... Oui, parce qu'au-delà du débriefing, on a quelques vidéos, je suis sûr que les trois patientes, bien que standardisées, pour avoir été dans une salle et avoir vu la vidéo de l'autre patiente, qui était la patiente 2, là, on se rappelle encore tous et on en rigole un peu, mais c'était quand même chaud, hein, Lisa. Bref, c'était très incarné et donc bien que standardisé, parce que tu vois, c'était les mêmes notes, ils ont vécu de la relation, ils se sont dit, j'avais l'impression d'y être, ils avaient oublié qu'on était tous là et tout ça. Enfin, vraiment, il y a eu une plus-value, je pense. Je te laisserai en parler avec Marielle pendant la pause. Pour répondre à ta question, oui, il y a un comité de validation des sujets de thèse pour se dire simplement qu'ils sont bien médecine générale. À ce stade, comme c'était autour de la définition du champ disciplinaire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en fait tant que c'est dans leur discipline. Mais des fois, ils font des trucs un peu à côté parce qu'ils aiment bien faire autre chose. C'est-à-dire, bon, nous, on dit juste c'est médecine générale ou pas. À ce stade, on est effectivement que c'est un binôme d'universitaires qui répond aux fiches, il y en a 70, on n'a pas prévu d'approche partenariale. Ça pourrait se discuter si on mettait un critère de pertinence. Mais déjà, faire les thèses à 70 étudiants, c'est déjà un peu compliqué. Donc, à ce stade, voilà, on va peut-être informer qu'on valorise dans le prix de thèse maintenant les thèses qui ont une importance, qui vont être regardées par les patients, etc. Au stade de la validation du champ disciplinaire, pour l'instant, on n'a pas prévu. Merci beaucoup. De toute façon, il y aura de nouvelles séances de questions après. Hein. Donc, on va enchaîner sur les deux autres présentations. Et donc, la prochaine, c'est la participation des patients prometteurs du CI3P, donc du centre d'innovation du partenariat avec les patients en temps de COVID-19. C'est Jean-Michel Benata qui va nous faire cette présentation. Après, je ne sais pas, mais si jamais à la fin, si on a le temps, on a également la vidéo où on voit vraiment quoi ça ressemble à tout ce qu'on peut penser. Donc, à la fin, si jamais on a le voir. C'est ça, Jean-Michel, je peux te mettre cette. C'est Luigi qui a. Si tu ne veux pas cliquer sur la souris, tu as fait un bouton de bas, ça passe au montage. Un petit montage de voir quoi ça ressemble. Et là, on a ça. Merci. Donc, en fait, on a déjà abordé beaucoup de thématiques de ce diaporama. Mais effectivement, donc le CI3P est né avant la pandémie, quelques mois, et puis très rapidement, peut-être ça va être les premières diapos. L'important, c'est celui que j'ai. Alors, sans ça, j'appuie là, c'est bon. C'est celui-là. Donc, toujours une diapositive de responsabilité sociale, donc aucun lien d'intérêt pour les communicants. Donc, Luigi Flora, co-directeur patient du CI3P, David Darmon, co-directeur médecin du CI3P et directeur du département de médecine générale. Et moi, je suis médecin libéral et je suis coordinateur du CI3. Donc, sur toutes les interventions dans lesquelles on a été impliqué, donc on a mis en rouge ce qui a été fait et puis en orange ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes intervenus donc, dans le deuxième cycle, dans un atelier de pharmacovigilance et sécurité du patient. Donc, ça s'est adressé à, donc, pendant la pandémie, ça s'est adressé à 160 étudiants de 5e année de médecine. Nous sommes intervenus donc à formaliser l'intervention de patients partenaires dans l'atelier maladies chroniques et comorbidité. Et ça, c'était 70 étudiants de 8e année de médecine.
Voilà, nous sommes intervenus en accompagnement de thèse. Nous sommes intervenus donc pour les webinaires ECOS que vous avez vus. Et nous sommes intervenus, donc, ça je crois que ça va être les prochaines diapos. Je dois viser quelque chose. Voilà. Donc, en fait, le diplôme 2019-2020, le diplôme universitaire de l'art du soin en partenariat avec les patients, en fait, pour en reparler, donc, c'est un diplôme qui met en présence des patients, des étudiants et des professionnels de santé, aussi bien parmi les étudiants que dans l'équipe pédagogique. Et donc, il y a 13 journées qui sont à chaque fois, c'est une journée où les personnes regardent en interséance un film, donc toujours une œuvre d'art, et ensuite sur une thématique, et ensuite on part de cette œuvre d'art pour les activités qui peuvent être des ciné-débats, des ateliers de médecine narrative et des mises en situation. Donc en fait, il y a cinq journées qui ont été faites avant la pandémie, et puis la sixième journée, en fait, mais très rapidement, dès le début de la pandémie, en fait, on s'est demandé quoi faire et directement, quelques jours après le début de la pandémie, en fait, on est reparti sur le film Contagion, en fait, de Soderbergh, et en fait, qui ressemblait étrangement à ce qu'on était en train de vivre. Et on pensait que ça n'allait pas marcher. Et en fait, il y a eu un engouement exceptionnel à partir de ce film et pour un sujet qui était assez traumatisant. Voilà. Et donc, toujours cette idée qu'on peut parler de choses très sensibles en passant par des œuvres d'art. Toujours ce pas de côté pour permettre de parler de choses qui sont très difficiles à aborder en dehors des œuvres artistiques, en fait. Donc voilà, on a fait tout le cursus en continuant les œuvres d'art, mais au lieu que ce soit des œuvres d'art en séance, on a fait des œuvres d'art interséance. Voilà, de la même façon, on a participé aussi à un projet niçois qui s'appelle l'Esprit critique niçois, en fait, sur la réflexion sur l'influence de l'industrie pharmaceutique, où là aussi, on a introduit des patients dans les séances qui se faisaient avec les étudiants. L'Esprit critique niçois, c'est un projet très original. En fait, c'est un projet sur la réflexion critique, mais en fait, qui est élaboré par des étudiants, pour des étudiants, qui est à peine accompagné par un enseignant de médecine générale, mais c'est les étudiants qui font tout. Et on a ajouté les patients pour participer, puisque ça fait une voix de plus. Et puis, on a fait en ligne, on a fait un projet assez incroyable, c'est un projet de débat mouvant, c'est-à-dire tout le monde participe sur l'ordinateur, et donc avec les questions, est-ce que un cadeau de 10 euros peut influencer un interne en médecine? Donc, par exemple, est-ce qu'on peut avoir confiance en son médecin? On a fait des questions qui sont assez polémiques, mais qui permettent la discussion. Donc ça c'était pour parler du séminaire pharmacovigilance et sécurité du patient pour expliquer la co-conception, c'est-à-dire l'atelier complet a été co-conçu avec des patients et avec la méthodologie du partenariat patient. Il y a eu création de capsules d'interviews de patients qui avaient l'expérience de problèmes avec les médicaments et d'erreurs médicales. Il y a eu visionnage de ces capsules et puis retour. Les capsules, on les a faites pendant le cours, mais on a demandé aux étudiants de préparer le cours et de nous ramener un peu leur retour sur l'erreur médicale. Et puis ensuite, on a eu une présentation et puis un débat entre les médecins, les patients et notre équipe.
On a eu aussi là-dessus, on a eu aussi la participation de la réflexion aussi sur l'industrie à partir de la médecin de la revue Prescrire. On a eu aussi dans ce cours, en tout cas, participation d'une pharmacienne de pharmacovigilance et de la présidente du Conseil de l'Ordre. Donc, c'est un cours qu'on a élaboré pendant plusieurs mois. Et puis, on a eu ensuite l'évaluation des étudiants. Le deuxième atelier, là aussi, qui a été co-conçu donc sur maladies chroniques et comorbidité, et là aussi avec préparation de capsules vidéo, et qui s'adressait aux 8e année, et donc avec participation des capsules pour expliquer le concept de partenariat patient, et avec participation de patients. Et là, ce que je disais ce matin, en fait, alors que c'est un cours de 8e année, on a vu les verbatim, le retour des étudiants, où moi j'étais très très surpris de voir la qualité du retour des étudiants, de ce qu'ils avaient appris dans ce séminaire, et vraiment la place du patient, écouter le patient, prendre l'avis du patient, comprendre les priorités du patient, savoir prioriser en fonction du patient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'en 8e année on puisse acquérir autant de connaissances dans la relation, et beaucoup de surprises, d'étonnement de ces étudiants qui ont vraiment appris des choses avec les patients. Voilà. C'est tout. Merci. Vous allez pouvoir rester là. Comme la quatrième personne est partie. Le temps qu'elle s'installe, on va peut-être prendre quelques questions de suite. C'est mieux. On va perdre de temps. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le numérique. En fait, il y a eu des idées. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là, on a parlé de la rémunération pour les patients, sur le fait de rémunérer en nature, mais avec des chèques resto, le bon d'achat. Question symbolique à redonner sur le travail concret. Et une autre idée, c'est si le patient bénévole. Pourquoi pas des soignants bénévoles dans les associations. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt des idées. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous avez une question en particulier? Moi, j'en ai une. Alors, comment vous avez pu, en temps de Covid, hein, puisque c'était le sujet de la présentation, arriver à mobiliser les patients pour qu'ils puissent être dans cette co-construction, comment ça a pu se réaliser? Mais alors ce qu'on a fait aussi, c'est que là, par exemple, on a fait une série avec les anthropologues, on a fait une série de webinaires, en fait, un par mois, qui s'appelle Les nouvelles figures des patients contemporains avec lui. Et on a eu à chaque fois une centaine de personnes qui a participé à chaque séance. Et à chaque fois, beaucoup de patients, beaucoup de personnes dans le monde entier, hein, beaucoup de personnes de Suisse, de Belgique, de France, en fait. Et donc, toujours très souvent à partir d'une œuvre d'art. On a beaucoup travaillé avec la bande dessinée. Et en fait, on était très, très actifs pendant la pandémie, en fait, grâce aux événements. En fait, c'était l'habitude de préparer des événements, en fait. Donc, on a eu le DU aussi, où on avait six patients qui ont fait le DU et donc qui ont participé aux ECOS. Donc en fait, on est resté très très actif, en distanciel. Retraité, le fondateur du DU, des patients thérapeutiques, dans les académies. J'ai beaucoup apprécié ces pistes que vous ouvrez. J'ai retenu ce matin cette notion d'éducation populaire qui rejoint l'éducation populaire. La société de l'éducation populaire et la populiste, je le précise, parce qu'actuellement, c'est une notion de chance. Donc, j'ai beaucoup apprécié cela. En fait, le point commun de ces différentes approches, c'est aussi que ça nous permet de sortir du sacro-saint dialogue singulier. Soignants, patients, que ce soit les patients. On avait vu, j'ai été formé moi-même, vous l'avez certainement été, sur cette notion de dialogue singulier. Dans ce dialogue singulier, il y a une dissymétrie qui est colossale
entre le sachant et celui qui est censé ne rien savoir. Je me rappelle à titre personnel, la première intervention pour présenter ce diplôme qui a été faite, non pas à la faculté, je tiens à souligner, mais dedans, mais à l'hôpital, qui était plus en avance dans ses approches que notre communauté et la faculté historique. La réflexion, parce que j'ai présenté cette mise en place de DU, d'éducation thérapeutique, le pédopsychiatre m'a fait une réflexion, mais peu importe, on a fait une réflexion en disant vous avez tué le dialogue symbolique. Et ça m'a marqué, je n'ai pas répondu, bien sûr. Ma réponse n'était pas forcément bien brève. Mais je crois que ça a ouvert des pistes extraordinaires quant à la possibilité de dire en table ronde, chacun est intéressé, quel que soit l'époque. Et nous avons énormément appris les patients. Et ce que je retiens de notre expérience, c'est que j'apprécie cette approche par l'art, parce que l'art avec un grand art, mais en même temps, l'art accessible à tous, je pense que c'est une forme d'approche qui est extrêmement intéressante, qui nous sort de nos sentiers de la vie. Et quelque part, si le dialogue singulier peut encore avoir un intérêt, parce qu'il a certainement un intérêt, ça je ne peux pas le dire, c'est tellement important d'ouvrir ces espaces de dialogue, on s'aperçoit chacun que, là j'en reviens à votre présentation tout à l'heure, la subjectivité qui était reprochée, même que vous craignez par rapport à certains jurys d'examen, il ne faut pas avoir peur de la subjectivité, je pense qu'elle est tout à fait naturelle, la subjectivité. Elle est du côté des patients, et vous voyez que de notre côté, elle n'est pas de subjectivité. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque. On n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler. On ne se permet pas d'en parler. Nous avons aussi une subjectivité qui est très grande. Et quand on parle d'évaluation, l'évaluation, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est aussi quelque chose de subjectif. Une évaluation repose sur le fait qu'on choisit une valeur, un poids que l'on donne à quelque chose. On est dans une idéologie, au sens du terme, au sens éthique, si vous voulez. On est dans une approche idéologique, pas du tout objective. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la subjectivité. Elle est cantonnée, elle est gardée par des approches scientifiques qu'on va avoir, mais voilà ce que m'inspire vos présentations. Je voulais juste répondre par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, que l'évaluation des échos qu'a présenté Nicolas, je ne sais pas si vous avez vu pratiquement l'objectivité de la subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tout le monde a été noté à la même note, alors que les étudiants étaient passés par des patients, mais extrêmement différents les uns des autres, et ça a été notre première surprise. C'est que finalement... l'intérêt de ce travail, par exemple, de cette recherche, qui nous a permis immédiatement de voir qu'on n'était pas obligé d'avoir des robots pour travailler. Les étudiants n'étaient pourtant pas égaux, parce qu'il y en a deux qui sont passés dans la station d'écoute pour laquelle j'étais observatrice. Donc, nous, il y en a neuf, je ne sais pas à quel point, en réalité, sur cette toute petite promotion, on pourra vraiment en dire grand-chose, parce que j'ai une différence entre les deux étudiants qui sont passés chez moi et finalement la patiente partenaire n'a pas pu le raid pour ainsi dire. Comme tout à l'heure, les étudiants ont pu dire que la patiente la plus difficile finalement est celle qui permettait aussi de, entre guillemets, montrer au mieux sa palette de gestion relationnelle parce qu'il y avait des patientes qui pourtant étaient juste du coup un petit peu dans la relation de soins. Mais c'est pas grave, laissez. Oui, ça me gêne pas, je le rangerai. Et donc la patiente la plus difficile a permis aussi à certains étudiants de montrer jusqu'où ils pouvaient être effectivement challengés, etc. Donc voilà, mais le fait qu'ils aient eu la même note, c'est du coup ça nous a surpris, etc. Mais de fait, ils n'étaient pas complètement égaux. Donc c'est parce que là, il s'agit d'un concours où on a ce besoin quand même d'équité, la justice sociale dans les études médicales en prévention de l'épuisement professionnel et étudiant, c'est aussi quelque chose d'important. Comme la dernière intervention, les intervenants sont là, parce que le propos c'est qu'on va poursuivre. La qualité de communication, l'intégration du patient partenaire au sein de simulation par jeu de rôle en pharmacie. Je suis heureuse de cette présentation. Madame, je commence. Donc moi, je suis Raymond Merle, je suis un patient. Bien sûr, d'accord. On le prend. Donc vous m'entendez ? Je suis Raymond Merle, je suis patient expert, docteur en sciences de l'éducation, directeur du département universitaire des patients de Grenoble-Alpes. Cette fois, je le dis, j'ai oublié tout à l'heure. Benoît Lé, en fait, je pense qu'elles ont été enlevées entre temps. Celui-là. Hop, ça joue.
donc, pardon, quand je mets les diapos. Benoît Lé, je suis enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Grenoble. Ouais, attends, je fais deux choses à la fois, c'est pour ça. Tu peux, toi ? Je suis assez masculin pour ça. Désolé. On ne le voit pas. Attends, faut que je relance ça sans doute parce que les zooms. Ouais. Le zoom UGA. Voilà. On y arrive. Je suis désolé, c'est à côté, ils étaient en retard, donc c'est pour ça que j'étais en retard. Si je parle fort, ça va ? Oui. Donc, Benoît Lé, oui, je suis enseignant-chercheur, je coordonne l'unité transversale d'éducation du patient de l'Isère, et puis je travaille avec Raymond et Christophe, qui vont dans les parages, pour la coordination du département universitaire des patients de l'Université de Grenoble. C'est pas celle-là. Attendez, voilà. C'est pas la bonne. C'est celle d'à côté. Arrêter le partage d'écran. Ouais, ouais, je reprends. Voilà. Et celle-là. Et du coup, on revient là. Partage d'écran. C'est qui ? Je vous vois pas. Pardon ? Cliquez sur l'écran, ça va. Cliquez sur l'écran. L'écran partagé. Alors, attends. Sinon, c'est voilà. L'écran partagé. Vous pouvez choisir votre PowerPoint. Si vous cliquez sur l'écran, ça partage. Si vous cliquez sur l'écran, l'écran partagé. Je ne le vois pas. En fait, ce que vous faisiez, c'était OK, mais. Ouais. C'est pas grave, pas de souci. Si vous partagez tout votre écran, normalement, il faut pouvoir accéder à tout ce que vous faites. En fait, ça ne partage pas juste une appli, mais l'ensemble de votre. Ça marche. Ouais. Du coup. Comme tout à l'heure, vous redescendez-le pour pouvoir mettre en plein écran, ça vous permettra d'accéder. Voilà. C'est bon, c'est la bonne. Du coup, oui, je voulais mettre en partage cet après-midi un travail collaboratif avec les sciences de l'éducation de l'Université de Grenoble pendant l'année dernière, pendant le Covid, autour d'un type d'enseignement en faculté de pharmacie qui a trait à la filière officine. Dans cette filière officine, pour ceux qui ne sont pas pharmaciens, il n'y en a pas des masses, on se spécialise en milieu de quatrième année en pharmacie. On va ou à l'hôpital, ou en industrie, ou en recherche, en officine. Et à partir de cette quatrième année, du moins à Grenoble, on jette à la poubelle tous les cours et on travaille uniquement par simulation. Donc, on propose aux étudiants un double cadre, un cadre qu'on qualifie de bloc entreprise, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur base de simulation au métier de chef d'entreprise, hein, parce qu'ils vont être aux commandes d'entreprises officinales de plus ou moins gros calibre. Et puis un bloc patient, on va les accompagner thématique par thématique. En général, c'est des pathologies, mais pas forcément, à la prise en charge des patients chroniques. Donc cette expérimentation, elle se situe dans ce cadre-là. Une simulation chez nous, ça se situe sur un pattern qui dure 3 semaines. Je vous l'ai fait en très très simple, hein. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, jusqu'ici tout va bien. La rencontre, l'amorce de blocs, par exemple j'en ai un qui arrive dans 2 semaines autour de muscles et squelettes, parce que c'est un peu ma spécialité en clinique. Le démarrage de ce bloc, c'est un patient qui vient faire un retour d'expérience. Donc le premier contact dans l'enseignement, c'est avec un patient, et la consigne et le format, c'est retour d'expérience, 60 minutes. On fait ça avec Nathalie, qui est une patiente qui travaille depuis longtemps avec nous. Elle vient raconter, l'hypothèse étant qu'il faut que, c'est une hypothèse qu'on se fait en équipe pédagogique, que les étudiants, ils entendent de la bouche du patient un bout de parcours, quelques éléments un peu saillants, les galères, pas forcément que sur les médicaments, mais sur la prise en charge globale,
pour que ça les mette, leur mette le pied à l'étrier pour enclencher la façon d'aller chercher l'information pour ce qu'on va faire derrière. Après, on va se donner des thèmes. J'en ai à peu près 6 ou 7. Par exemple, je ne sais pas quoi, lombo sciatique commune, comment vous prenez en charge quelqu'un qui a une lombo sciatique commune. Ils vont se débrouiller, aller chercher de l'information pour sortir des supports types, on appelle ça des fiches réflexes, hein. Une fiche réflexe sur les bons clients en thérapeutique. Chez quelqu'un sous anti-inflammatoire non stéroïdien, ça serait bien de vérifier s'il a besoin d'IPP ou pas, par exemple. Hein. Et une fiche sur ce qu'on appelle le soin pharmaceutique, c'est une définition patentée par la Commission européenne depuis cette année. Donc on a notre définition en France, c'est-à-dire ce que je dois savoir en tant que pharmacien sur la prise en charge globale. Ça serait bien que mon patient atteint une lombosciatique commune, il ne passe pas sa journée couché sur le canapé, il faut que je lui donne des éléments d'information pour la remobilisation. On débriefe ça, fait une présentation en amphi sur la séquence 2, et la séquence 3 qui nous intéresse là, on fait de la mise en situation professionnelle. Cette mise en situation professionnelle, elle est assez simple, vous pouvez pratiquer la même chose. Un briefing collectif par demi-groupe de TD, donc on a une vingtaine d'étudiants maxi. Ils vont se mettre par 3 et ils vont simuler un entretien sur base d'un scénario standardisé. Donc il y a autant de thèmes, hein, j'en ai à peu près 6 de thèmes par bloc, donc il y a 6 scénarios standardisés. Donc je vais rester sur la lombosciatique commune. Un patient qui a son scénario, qui l'apprend, un patient qui joue le pharmacien un étudiant qui joue le pharmacien, un étudiant qui observe, et on fait du briefing, débriefing itératif par groupe de 3. Et juste en fin de session, on fait un débrief collectif sur les grosses ficelles. Alors en ce moment, on est en train d'évoluer sur du débrief un petit peu évolutif. L'idée du débrief par tout petit groupe, c'est qu'ils se disent un peu plus de choses. Mais on va voir que ça ne marche pas forcément par la suite. La problématique que je vous présente, c'est que pendant le Covid, on a dû un petit peu évoluer. On a commencé à faire de la téléconsultation, en fait. On a essayé de suivre nos patients à distance. Il y avait le département qui était disponible et donc des patients qui étaient disponibles. Et donc, on a essayé de réfléchir à un petit design que je vous livre, comparé en fait dans ces jeux de simulation qui vont être à distance sur un patient standardisé. Un groupe où les étudiants jouent tout seul, c'est le groupe historique, c'est ce qu'on faisait avant. Un groupe où c'est un patient partenaire qui va jouer le scénario standardisé et un groupe où c'est l'enseignant qui va jouer le scénario standardisé. L'intuition étant que, c'est un peu bécassant, mais que ça ne devait pas donner pareil. On avait envie de pouvoir remonter des endroits, qu'est-ce qui pouvait ressortir de ces différents acteurs. Je ne vais pas raconter toute l'évaluation. Il y a une partie évaluation plus qualitative en amont sur le préexistant, c'est-à-dire les jeux de rôle classiques entre étudiants. On va se focaliser surtout sur la simulation expérimentale et donc avec une partie observation non participative, donc l'étudiante est allée suivre un certain nombre de groupes, une trentaine, et puis un petit questionnaire. Ce qu'on voit on va parler un petit peu de processus et un petit peu de résultats de ce truc-là, sur le processus de mise en place, ce qu'on voit il y a beaucoup de données, donc je vais essayer de le rétrécir, hein. Nombre de simulations où le patient a été, le scénario a été respecté. Et puis, est-ce que le scénario a été complexifié ou simplifié? On voit en fait dans le groupe partenaire que c'est celui qui respecte le plus le scénario. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est le pire, c'est-à-dire qu'il fait des digressions de dingue et il n'est pas calé sur sa lombosciatique. Donc ça, c'est un petit problème. Donc on s'est dit, d'entrée de jeu, le patient, il a l'air de respecter un petit peu mieux le canevas et les étudiants, ils digressent quand même pas mal. Le nombre d'étudiants pharmaciens ayant abandonné la simulation. En général, on leur donne 10-15 minutes. Là, on voit que c'est un peu la fête. Hein. C'est que les gars, ils terminent avant, entre eux. Ils disent, Et puis, ils attendent que ça finisse. Et on voit que côté patient et enseignant, on respecte bien le timing, qui est quand même important dans les jeux de simulation. Le nombre de simulations, le recueil d'informations a été effectué de manière exhaustive. Je n'ai pas dit, il y a 3 temps qui nous importent en tant que pharmaciens, classiques. Hein. Qualité du recueil, qualité de la synthèse et qualité du plan d'action qui est proposé. Et c'est les 3 trucs qu'on voit là-dessus. Donc là, sur le recueil, en termes d'exhaustivité, on voit que le patient, il sort encore en trumps, pas mal. Après, quand on regarde la qualité de la synthèse, alors on voit que quel que soit l'acteur, c'est pas top. Alors là, on balaye juste devant notre porte, c'est qu'on n'est pas encore bon. Et que les patients, méthodologiquement, quand on leur demande de faire la synthèse, ils ne savent pas encore faire quel que soit le type de jeu.
Nombre de simulations où il y a un plan d'action avec des conseils prodigués, on voit que le patient, il sort vachement bien. C'est-à-dire que quand les bébés pharmaciens, ils sont dans l'action, proposer des trucs, ça a l'air d'être plus simple avec ce patient. Alors, et au final, le débrief, comment ça s'est passé le débrief? Nombre de simulations où les points forts ont été soulevés. Ben, il y a quelque chose de très positif dans le jeu de rôle avec les études, avec les patients, c'est-à-dire qu'ils sont encore au top dans reformuler des éléments positifs à leurs patients sur ce qui s'est bien passé. Les points d'amélioration, ben, on voit que le ronchon enseignant, là, pour balancer des trucs et dire « c'était pas bien, il est premier ». Et puis les points de progression, on est un petit peu mix, mais entre le patient et l'enseignant. Ce qui est assez notoire là, c'est qu'entre étudiants, ça ne joue pas. Ça, c'est un événement majeur pour moi. On voit qu'ils ne veulent pas trop se taquiner quand ils font de la simulation et que dans ces différentes étapes, ils vont faire un minima, c'est sortir un petit peu plus tôt de l'exercice et surtout pas trop se dire de choses qui fâchent, ni d'ailleurs de se dire des gentilles choses. Hein. Alors, les points qu'on a sortis et que je veux mettre en discussion avec vous, c'est, faites sans doute que, sans le savoir à l'avance, mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu de la data. En fonction de l'acteur, on ne fait pas la même chose. Donc, effectivement, ce qu'on a remis en commun avec notre camarade de Sens de l'Éduc, c'est qu'il faut être très, très clair sur l'objectif de la simulation à la base pour bien caler le type d'acteur qui sera le mieux placé. La petite intuition qu'on a, par exemple, c'est que c'est clair que sur les techniques de communication, un patient formé, il est beaucoup plus, il carchérise beaucoup plus l'étudiant qu'un prof, parce que les profs, chaque fois qu'on dit à l'étudiant, c'est pas bien, ils s'en foutent. Alors, j'avais une autre présentation là-bas qui montait ça, c'est-à-dire que le patient qui débriefe sur les techniques de communication, les étudiants sont beaucoup plus marqués et nous renvoient que wow, « il m'a dit des trucs, on a fait de la simulation lundi dernier, en début, c'est ce qu'ils m'ont renvoyé. Wow, ils m'ont dit des trucs, ça m'a un petit peu choqué, mais ça les fait se reprendre. Donc ça, effectivement, choisir l'acteur en fonction du type d'apprentissage, et sans but, inventer une progression là, dans les 5 semestres qu'on a à parcourir avec eux. C'est clair que quand ils sont tout jeunes, bah, il faut aller tout doux et peut-être en complexifiant le jeu de rôle, amener des acteurs qui complexifient aussi la situation. On s'est posé la question autour du briefing. Je pense qu'on a des efforts à faire sur l'étape de briefing. On est dans l'équipe beaucoup concentré sur oui, des briefings, c'est important, il faut mettre du temps, de la structuration. Mais souvent, le briefing, il est un petit peu fait à la va-vite. Et on voit que ça doit sans doute, détermine quand même le briefing qui va pouvoir se passer en aval. Donc ça, il faut qu'on retravaille dessus, notamment sur un truc que j'ai entendu ce matin, la sécurisation du patient quand il est dans le jeu de rôle. On redonne des clés, des règles du jeu aux étudiants quand ils sont dans les jeux pour que ça reste quand même de qualité éthique et professionnelle. Intégrer le patient partenaire à la conception des programmes. Pour l'instant, c'est vrai que les scénarios, c'est ma dernière. Les scénarios, c'est vrai qu'ils sortaient un petit peu de la pratique, du terrain clinique, et puis on les bidouillait, et puis on les emmenait là. Je pense qu'on a un vrai boulot pour rescénariser avec des objectifs pédagogiques précis, conjointement à l'enseignant. Et puis aussi, du coup, au final, accompagner aussi nos partenaires enseignants à continuer à faire de la co-formation. Parfait. Merci beaucoup de la réponse. Merci. De voir si c'était numérique qu'il y avait une question. Non. C'est très clair. Oui, moi je voulais dire, j'ai l'impression quand j'écoute ça que le meilleur soignant pour les patients, il faudrait que ce soit un patient partenaire. Ouais. Parce que c'est quand même, c'est lui qui a eu les meilleures notes partout. Ouais. Et à chaque fois, la note maximale, ben, je pense que ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que la personne qui comprend mieux le patient, c'est un autre patient. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de peut-être que les médecins qui sont passés par la maladie, ils ont peut-être un abord plus intéressant des autres patients. Mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Alors, en fait, parce que nous, les patients, on est toujours imités, mais jamais égalés, en fait. Non, en fait, c'est juste quelques mots pour revenir en arrière sur le projet. Parce que c'est un projet collaboratif qui est mené depuis un certain nombre d'années. Il n'est pas arrivé maintenant avec le Covid. En fait, on a commencé, nous, par former les patients à l'éducation thérapeutique, à la notion de patient ressource, patient intervenant en éducation thérapeutique, et un autre programme sur la santé mentale. Donc, on a formé un groupe de patients
à l'Université des patients de Grenoble entre 2016 et 2017, et il y avait 45 patients qui ont été formés dans ces deux groupes. Ensuite, ces patients sont intervenus dans différents domaines, notamment l'enseignement, l'éducation thérapeutique, la recherche, etc. Et on a des résultats, on a deux masters, on a trois DU, on a des patients qui ont été embauchés en CDI, donc on a des résultats qui sont intéressants qu'on a mis sur le poster en bas. Et ensuite, quand la problématique de la simulation est arrivée au moment du Covid, Benoît m'a dit, mais comment on fait? Est-ce que tu as des patients qui peuvent intervenir et tout? Et spontanément, on a eu une douzaine de patients qui ont répondu présents. Et c'est dans ces conditions qu'on a réalisé, j'en faisais partie, on a réalisé ces entretiens. Et là, on peut remarquer qu'à la fois, les étudiants ont quand même bien préparé les binômes ou les trinômes, ça dépendait des groupes, ont bien préparé les entretiens, nous ont appelés, on a organisé en WhatsApp, Zoom, etc., les entretiens. Les entretiens étaient calés sur 30 minutes, hein, de mémoire, c'est ça ? 30 minutes, on a relevé que certains ont duré plus d'une heure. Donc, alors, après, ça, on l'évalue, mais peu importe. Ça veut dire que dans la discussion avec les étudiants, ça s'est super bien passé. Nous, on a pu passer des messages en même temps, dire ce qu'on était, comme patients, ce qu'on mangeait l'hiver, etc. Et ça a été très, très enrichissant, à la fois pour nous et pour les étudiants. Donc, je pense que la méthode, d'ailleurs, la méthode est en train de se développer, est en train de se développer l'enseignement. Je pense qu'on va utiliser ce modèle et ça, c'est particulièrement intéressant. Mais il a fallu, comme je sais pas qui disait sur la formation des patients, il a fallu quand même que les patients, on a choisi de les former avant et pour qu'ils puissent intervenir dans ces phases d'enseignement. Et là, on sort du cadre entre le témoignage, le patient qui apporte son témoignage, hein, tous les patients qui enseignent maintenant ont tous commencé comme ça, soit en binôme avec un enseignant, soit tout seul, etc., que ce soit dans le grand public et l'enseignement. Et ensuite, on s'est formé, pour certains, se sont diplômés, ce n'est pas une obligation, mais c'est le rôle de l'Université de Paris, nous maintenant de notre département, d'accompagner les patients, d'abord dans la formation initiale et ensuite sur les cursus universitaires pour ceux qui peuvent. Et Nathalie, tu citais, a eu son DU en éducation thérapeutique après la formation qu'elle a suivie sur les 40 heures. 40 heures, en fait, nous, cette formation, on l'a calée à 48 heures et avec un stage d'immersion en équipe, ce qui leur faisait à peu près 62 heures de formation, ce qui leur a, pour certains, construit leur validation des acquis par expérience et ils ont pu, de ce fait, intégrer les DU puisque c'était puisqu'on n'a pas le prérequis au départ, donc il faut se construire ce prérequis pour rentrer à l'université. Et on est passé par la validation des acquis par expérience entre ce stage, entre cette formation, ce stage et une expérience de terrain, puisque l'objectif, c'est d'aller plus loin. Ce n'est pas une histoire de faire sa formation et puis de partir. C'était vraiment d'aller plus loin. Merci. Laurent, ton intervention fait un peu contre-pied à ce que disait Jean-Michel tout à l'heure à propos du témoignage rendu par Madame Soulier d'un des premiers au monde. À la fois, je me retrouve très bien dans ce qu'a dit Madame Soulier et ce que tu as repris, et je me retrouve aussi très bien dans ce que dit Raymond et Benoît, parce que c'est une autre forme d'aborder l'expertise patient. Moi, je pense que cette dame qu'on a entendue ce matin est tout aussi experte que nous toutes, et qu'elle a cette reconnaissance, sans formation forcément, sauf sa formation humaine, sa formation d'expérience de vie. Ça n'exclut pas que dans certains cadres, comme celui du département universitaire patient Grenoble, auquel je participe également, il y ait des patients qui soient formés sur différents modules. Et je crois que c'est également très bien, parce que ça permet aussi une reconnaissance du statut de patient. Juste pour répondre, parce que vous n'étiez pas là quand je suis intervenu tout à l'heure, pour dire que nous, notre travail, c'était de reconnaître les compétences des patients qu'ils ont déjà et de leur faire reconnaître et de les reconnaître. Et qu'en fait, la plupart des patients n'avaient pas besoin de formation. Et après, il y a un niveau d'implication en fonction de l'endroit où est le patient, de l'expérience, de sa participation à des missions aussi. Et puis, nous, notre formation consiste à expliquer, par exemple, le schéma de la mission dans laquelle le patient va être impliqué. Si c'est avec des étudiants, ben, où en sont les étudiants?
Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse le plus dans le recrutement de patients, ben, vraiment l'objectif numéro un, c'est de ne jamais mettre le patient en échec, ouais. De toujours mettre le patient en situation de succès, et puis que le patient amène quelque chose à l'équipe dans laquelle il est intégré, et puis que le patient soit reconnu à la fois simplement des fois par un papier pour dire « ouais, j'ai participé à ça » et soit reconnu financièrement. Voilà ouais. Un petit peu, nous, alors, c'est, ça, excusez-moi, ça revient à dire que nous, on a commencé comme ça à l'université, avant de former les patients. On a accueilli les patients sans prérequis, sans diplôme, sans rien du tout, et on leur a donné la possibilité de retrouver les ressources qu'ils ont en eux pour pouvoir aller plus loin. Et certains patients nous ont dit, nous, l'université, on ne parlait pas et tout. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à cheminer et ils se sont dit, bah, finalement, j'irai bien à l'université. Donc, nous, on est partis en amont avec, dans cette philosophie-là, quelque part. Et après, on s'est dit, mais si on arrive dans l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels de santé ont une obligation réglementaire de se former. Nous aussi, quelque part, on a besoin de se former. Donc, on a commencé par former ensemble les patients et après, on les forme maintenant en mixte avec les professionnels de santé. Je pense que c'est ça la valeur ajoutée. Mais moi, j'ai commencé sans formation aucune à ce niveau-là. Je n'ai pas de prérequis non plus. Ça ne m'a pas empêché de soutenir une thèse. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, même si on part de rien ou pas grand-chose, on peut y arriver, mais c'est surtout faire ressortir toutes ces ressources que les patients ont, qui sont enfouies pour des tas de raisons. Et après, ils nous disent, ben, dans les verbatims, ils nous disent... ben, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez permis de reprendre quelque chose. Donc, on a commencé comme ça. En fait. Et en formation, donc, on propose ce début à un en partenariat avec le patient, mais aussi maintenant, depuis peu, une formation ETP en partenariat avec le patient, où il y a donc une formation des enseignants de médecine générale avec les patients, destinée aux internes en médecine générale. Oui, c'est juste une petite. C'est pas vraiment une question. On parle de la formation et des patients enseignants, depuis qu'on est là ce matin. Peut-être vous présenter. Je suis une patiente partenaire. D'accord. Et je crois que l'enseignement, ça ne s'apprend pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour transmettre. Et je pense que des patients partenaires qui arrivent, en tout cas sur ce chemin, de voir le patient enseignant, c'est que ça vibre à l'intérieur d'eux, de voir en tout cas être sur le chemin de l'enseignement, qu'il y ait des réunions de formation pour fixer en effet des objectifs à se fixer sur un enseignement particulier, que ce soit par exemple la simulation en groupe et poste, ou l'intervention du patient partenaire sur les objectifs à fixer pour les étudiants. Oui, mais je crois qu'on n'apprend pas à enseigner. Je crois que l'enseignement, c'est quelque chose qu'on l'a ou on ne l'a pas. Je crois qu'on a tous vécu ça dans nos vies étudiantes. On a eu des liens de profs et d'enseignants. Est-ce qu'ils étaient tous bons? Est-ce qu'ils ont tous transmis ce qu'ils voulaient transmettre? Merci. Peut-être qu'on peut enseigner sans apprendre, mais peut-être que bah, c'est bien qu'on apprenne à enseigner. J'imagine qu'on formait l'ensemble de la force soignante de demain et peut-être patient partenaire non plus. Ouais, bah, bon courage, bon week-end. Ouais, soignez-vous. Hein. Merci. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, tous ceux qui sont en cours? Merci. Voilà, donc le fait qu'on puisse contribuer à l'enseignement, en tout cas être un vecteur et transmettre sans être nécessairement formé, et pour ça, il y a un certain nombre effectivement d'attitudes données, ou en tout cas acquises d'ailleurs, en tout cas, une fibre. Cependant, je pense quand même qu'on peut, j'espère que je n'ai pas dit que ce soit pas bien, sinon. On peut quand même se former à enseigner et que s'il y a des mauvais profs, peut-être qu'ils ont été mal formés par des profs même mal formés. Donc voilà, j'imagine que moi, que ce soit dans les sphères professionnelles de mes enfants ou en tout cas pour mes étudiants, tout le monde essaiera d'être au maximum de ses capacités. Donc renforcer cette fibre innée ou être un peu moins pire quand on est nouvelle à la nation. On voit quand même. Je suis pas sûr. On voit que depuis ce matin, maintenant, il y a des convergences sur la reconnaissance, sur le statut, la rémunération. La indemnisation des droits, autant sur le sujet de la formation des patients, bon, les avis, les avis. Donc, s'il faut rester un patient, on va dire prêt, je ne sais pas si c'est bien, ou est-ce qu'il faut être un patient formé,
Alors, moi, j'ai un avis assez iconoclaste, donc heureusement qu'après on s'en va, comme ça vous pourrez jeter des cailloux sur la voiture. Je m'en fous, ce n'est pas ma voiture. Mais... moi, je prends le problème à l'envers et c'est un truc que je dialogue avec Raymond depuis longtemps. Côté université, si on a ouvert un département universitaire, c'est parce qu'on est parti du constat qu'il y avait des trous dans la raquette. Et donc, je raisonne comme toi, quel type de compétences il me manque dans le parterre de tous les enseignants-chercheurs que j'ai en fac de médecine et de pharma. Et donc, moi, et du coup, j'achète des compétences. Je n'achète pas des patients. Je n'achète pas Raymond. Je m'en fous qu'il soit patient. C'est là que vous pouvez jeter des cailloux. J'achète ses compétences. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que le contrat, il sait faire des trucs que moi, je ne sais pas faire. Et après, et ben, du coup, il m'amène son savoir-faire, son outillage, ce qu'il a appris, etc., son feeling, sa vie. Je dis ça parce que chaque fois que j'ai l'impression que chaque fois qu'on rentre par la porte d'entrée, patients, on les accueille et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, on tombe sur cet écueil qui me semble quand même un petit peu délicat à gérer de discrimination positive. Moi, j'aime bien les patients, j'en vois toute la journée, c'est pas le problème, mais soyons clairs, pour un contrat propre et délimité, c'est bien les compétences. Et moi, la fac, elle nous attend, et moi et Christophe. Elle nous a dit, dans un an, on fait le bilan de ce que vous avez produit, on regarde tout ça, et je ne sais pas, peut-être dans un an, on nous dira, ça ne vaut pas un coup ce que vous avez produit. Circuler, hein, c'est comme ça que ça marche. Alors, on a anticipé, on a fait un bilan 6 mois. Je suis d'accord avec vous, en parlant de compétences, je suis enseignante. Ouais, ça me permet de parler d'enseignement et de dire, j'ai vécu la formation d'enseignement, une formation enseignante à l'université. Donc, je suis une universitaire, j'ai un mémoire de recherche. Quand on voit la formation des enseignants, il y a de quoi se poser des questions sur est-ce qu'on forme, qu'est-ce qu'on forme, comment on forme, surtout comment on forme. Mais je crois qu'on ne peut pas former quelqu'un qui n'a pas une prédisposition innée à avoir envie de transmettre avec passion. C'est ça mon propos, il est là. Oui, c'est pas l'un ou l'autre. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. Karim, oui, il voulait réagir aussi. Souvent discuter là-dessus, moi je ne partage pas tout à fait dans la vie, mais vous l'aurez dit, et vous l'avez bien dit au début, on prend les 4 années de formation, on part sur autre chose, on part sur la simulation, on part sur l'échange, on part sur quelque part une forme de coaching, qui est plus dans de formation aujourd'hui, et tout ça évolue, et effectivement, il va être sur la fibre de un, bien sûr, c'est pour une vie, d'avoir de l'échange, en deux sens. L'émetteur et le récepteur. C'est pour ça que nous, on est rentrés, là je parle de la communauté des patients, on est rentrés par le témoignage. On n'est pas rentrés directement dans l'enseignement, on est rentrés par le témoignage. Après, on a commencé à raconter notre vie, etc. Pour acculturer les étudiants ou même les professionnels de santé, parce qu'on le fait aussi. Ça se passe super bien, ils n'ont pas la même écoute, la même entente, ils ne réagissent pas de la même façon quand c'est nous ou alors quand c'est des enseignants professionnels qui le disent. Ensuite, on a des structures qui se sont emparées de la formation des patients, et les patients, pour avoir fait des questionnaires, des focus group, tout un tas de choses autour des patients dans le cadre de ma thèse, beaucoup nous ont dit, ils l'ont écrit, mais ça nous a permis d'aller plus loin, alors qu'ils ne savaient même pas au départ, qu'ils avaient les possibilités, les capacités, on est dans la capacité là, de pouvoir faire. Donc on est, et après, bah, on met en place une formation, etc., etc. Nous, en plus, on le fait de façon universitaire parce qu'on a créé ce département avec cette vocation-là. Et, mais au départ, on n'est pas enseignant. Au départ, on n'est pas expert. On a l'expérience de la maladie, on chemine vers l'expertise. C'est là où on, c'est là pour moi, la différence. Allez-y. Je pense que la vérité est au centre. La formation, elle est nécessaire, elle va donner des capacités. Vous voyez le terme la première fois. La TRIF, comme vous le dites, sur ce qu'on en soi, ça va donner des possibilités, des compétences. Ça participe au processus. Je vais associer les deux, capacités et compétences. Alors j'en viens à une question qui est un peu, je crois qu'elle a été un peu posée tout à l'heure. Est-ce qu'on va demain exiger des enseignants universitaires qui sont aussi malades? Est-ce qu'un diabétologue devrait être diabétique? Alors, que devrait être un médecin généraliste? Je vous exprimer à l'extrême, mais quelque part, des choses risquent de se rejoindre. Ils peuvent se rejoindre. J'espère pas. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant ce que tu as dit.
Moi, j'ai deux activités. J'ai deux activités, une en rhumato et une en cardio. Je passe trois après-midi par semaine à faire de l'accompagnement collectif en cardio, essentiellement sur des coronariens. Et je vis dans ma chair ce que tu vis, c'est-à-dire je suis enseignant-chercheur, je suis pharmacien hospitalier, j'ai fait un infarct il y a 3 ans. Et donc, je fais de l'accompagnement éducatif de ces gens-là. Il y a eu un avant-après, c'est-à-dire qu'avant, c'était un peu hors-sol quand même. Et du coup, je vis la difficulté de la distanciation parfois, parce que selon comment ça parle, les groupes d'accompagnement, les gens, ils sont plus loin, intrusifs, plus loin. Et je vis ce que vous vivez, beaucoup, en tant que professionnel, de la difficulté récurrente, animation après animation, à faire gaffe, de trouver la bonne distance. Tout à l'heure, on a employé le terme de naïveté, c'est-à-dire la bonne distance entre la fraîcheur de l'animation et puis le purée, il faut que je me protège, quoi. Et c'est super compliqué. En fait, moi, je ne pensais pas avant que c'était si compliqué pour vous. Non, en fait, c'est ça que je veux dire. On l'a pas compris. On verra ce que tu dis. Ouais. Je vais juste pour répondre aussi. Je vais dire, actuellement, les professionnels de santé sont de plus en plus souffrants. Ouais. Et actuellement, il y a autant de souffrance du côté des professionnels que du côté des patients. Et donc, finalement, tout le monde va vivre, tous les professionnels vont vivre la souffrance. Et actuellement, mon idée, c'est que le programme partenariat de soins avec le patient, c'est la meilleure prévention pour la souffrance des professionnels de santé. Et voilà. C'est intéressant. Et c'est souvent dit, l'amélioration de la qualité du travail, grâce au partenariat des professionnels. Pourquoi ? Alors après, là, je parle pour moi. Ça a quelques minutes. Mais je trouve que c'est un levier évidemment important. Je trouve que c'est incroyable qu'on parle pas plus de ça. Moi, je suis médecin libéral. Je fais, en fait, en tant que médecin, je rends partenaire de ces soins chaque patient que je rencontre. En fait, si on étudie partenaire à patient, en fait, c'est pour que dans la relation de soins, chaque médecin qui rencontre chaque patient rend chaque patient partenaire de ses soins s'il le désire. Et donc, le travail principal du médecin, c'est un travail d'enseignement de la santé envers le patient. En fait, ce n'est pas un travail de soignant, c'est un travail d'enseignant. C'est le travail principal du professionnel de santé. Bien, tous ces patients qui sont enseignés et qui sont aussi soignés, on va leur donner toutes les ressources pour qu'ils puissent... on va leur faire reconnaître leur potentialité à se soigner. En fait. Et après, déjà, on est deux pour se soigner. On n'est plus tout seul, parce qu'on est deux à soigner la personne. Mais surtout, comme on a vu avec Angela Coulter, le patient, 98% du temps, il se soigne tout seul, sans le médecin. Et là, les 2% du temps où il est avec nous, on va lui donner les outils pour qu'il se soigne en permanence. Et nous, on n'a plus rien à faire. Comment c'est ça? On a beaucoup partage le fardeau. Déjà, décision partagée, il n'y a pas de risque pénal. Ensuite, le patient fait presque tout, on fait presque plus rien. Il vient nous voir un tout petit peu à certains moments. Moi, je ne travaille presque plus. Enfin, je veux dire, j'ai expliqué au patient comment il fallait faire. Il vient me voir de temps en temps. Et enfin, pour moi, c'est une telle évidence que ça résout tous les problèmes. Effectivement, le partage du fardeau, parce qu'on a un partenariat, donc le partage de soins, puis la notion de prise de décision en santé, elle est quand même lourde. Au-delà de la responsabilité au pénal, il y a la responsabilité individuelle. C'est le soir que vous commencez à faire vos décisions, mais c'est, je pense, quand même plus de soignants, en fait, quand il y a des moments de décision à prendre. Mais l'approche de la décision partagée au sein de la démarche partenariale, et c'est aussi, finalement, c'est pas si intuitif. Hein. Je porte encore beaucoup de décisions, j'ai l'impression que ça se développe pas sans énergie, quand même, de la démarche. Je pense que ça nous coûte beaucoup d'énergie et des routines se mettre en place quand c'est ancien. Mais une fois que tu sais que tu ne dois pas décider pour le patient, bon, c'est bien. Dans la vraie vie, je veux dire, c'est pas si simple que ce que nous faisons. Tout le monde n'a pas non plus l'aptitude directe de faire prendre cette place-là, et ça demande l'énergie. On décide ensemble, en tout cas, on aide à la décision, et puis juste le poids en moins, parce que enfin, vraiment, alors pour le matin, on n'a pas fait la fac, mais la charge mentale, je la sens un peu. Si on la baisse un peu, c'est bon. Je vais peut-être compléter, moi. Une analyse des représentations des professionnels de santé par carrière. Quand ils évoquent l'amélioration de la qualité de l'offre à eux, professionnels, ils évoquent aussi le sens retrouvé dans la relation avec un sentiment d'utilité. Effectivement, il y a une efficience aussi du profit fini du soin grâce à la relation partenariale. Et donc, redonner du sens à leur mission, il
Et alors, alors identité professionnelle, on le perd. Ouais. Je peux pas intervenir. Excusez-moi, je passe. Et alors, en fait, on va de plus en plus au point de la question qui est en lien avec le chat. Et la question elle a été posée il y a un moment, donc peu à situer vers qui ça va, un peu tout le monde. Le fait de standardiser le profil n'enlève-t-il pas l'essence même du patient partenaire? Standardiser dans un jeu de rôle? Non, c'est peut-être sur la notion de la formation, de la On avait répondu là-dessus. D'accord, ce n'est pas la standardisation pédagogique, c'est l'homogénéisation. Tous les patients doivent passer par un cursus. Je crois que c'est un petit peu différent. Ah, c'est ce qu'on a évoqué autour de la pédagogie. Oui, peut-être autour de ça, puisqu'on était sur la question formée. Le monomorphisme, peut-être des patients, du patient qui a nécessairement. Enfin, vous les formez à quoi? Par être standard, vous les formez à la pédagogie, c'est déterminé comme compétence derrière. Vous cherchez des compétences, vous ne cherchez pas des patients qui sont pareils. C'est la compétence. À titre anecdotique, un jour, un médecin m'a dit, mais vraiment, toi, tu vas devenir médecin. Alors, je fais non. Moi, je suis patient, je n'ai aucune compétence pour devenir médecin. Ah, pardon. Un médecin m'a dit un jour, vraiment, toi, tu vas devenir médecin. J'ai répondu non. Je suis patient, je n'ai pas les compétences pour être médecin, je n'ai pas l'envie d'être médecin, je n'ai pas la formation, mais rien ne m'empêche de collaborer avec le médecin. Donc en fait, c'est ça, il faut qu'on reste chacun dans notre terrain de jeu, qu'on se forme à des spécificités, que ce soit l'entretien motivationnel par exemple, ou des choses comme ça, ou l'éducation thérapeutique, ou la communication, ou des choses, parce qu'on a besoin, on ne connaît pas tout. Ça oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut rester dans notre spécialité de patient et collaborer. On est dans le partenariat, on est dans la collaboration avec les enseignants. Ce qu'on parle n'importe, c'est ça, c'est pour autre chose. Je pense que la question, c'était peut-être plus, là on a fait un comparatif professionnel de santé patient, et c'est peut-être de patient en patient en fait. C'est une sorte alors de... Il y a un ressenti de, au travers de la formation, je comprends, et tous les patients les mêmes. Alors, ce que nous, on développe sur le Grenoble, et vous avez un poster en bas avec sur un projet de recherche, on développe la paire aidance pour relier les deux patients. C'est différent. Ils sont, si je prends l'exemple de ce projet de recherche avec Benoît, on intervient. On est dans le cas du syndrome d'apnée du sommeil avec les difficultés de décrochage et de désappareillage. C'est une problématique très importante. Donc là, on s'est dit, mais les médecins, tant les médecins que les prestataires se disent, on se trouve en situation d'échec parce qu'on n'arrive qu'à réappareiller 6% des patients qui décrochent. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas intervenir des patients, donc appareillés bien sûr, pour lesquels on va les former à la paire aidance pour qu'ils puissent accompagner les autres patients, puisque c'est l'objectif un peu de la paire aidance. Et là, on est en train de former les paires aidants. On a eu le numéro du CPP, on lance le protocole. Et l'objectif, c'est de former des pères aidants pour qu'ils puissent accompagner les autres patients qui décrochent. Un exemple. Donc, les relations entre patients et patients, ça peut être la pères aidance. C'est vrai que dans ce projet, ce qui est assez édifiant, c'est qu'on a une petite dizaine de patients informés la semaine dernière. Oui. T'as 10 histoires de vie. Quand on est dans ce... Vous connaissez, moi, je partage... tu as 10 histoires de vie, donc 10 fois de la complexité à gérer, notamment quand tu accompagnes. Et c'est moi, tu parlais de remettre de l'énergie. C'est pas un long fleuve tranquille ce job qu'on construit ensemble. Et à la fois, c'est réjouissant parce qu'on voit bien que chacun arrive avec ce qu'il a. Il y a des gens qui sont très, très avancés dans leur processus, qui sont très, très naïfs. Et que le job, c'est que chacun y trouve un petit peu son compte. Donc, il y a une vraie customisation du truc, quoi. C'est ça qui est complexe et réjouissant et qui fait parfois aussi un peu flipper. Sur ce protocole de recherche, je ne sais pas ce que ça donnera parce qu'on voit que chacun est ressorti de sa formation. Je ne pense pas qu'ils seront tous, entre guillemets, performants comme les gens de la recherche clinique l'attendent. Mais en fait, moi, je m'en fous. Hein. J'ai déjà fait mon job en formant les gens. Le résultat de la recherche, c'est pour... Ouais. Le résultat, il n'y a que dans la revue de littérature, il n'y a qu'une autre expérience qui est tentée comme ça avec les pères aidants.
et les résultats c'est sur 39 patients, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc nous, on a poussé le bouchon un peu plus loin. On est dans l'expérimentation, comme tu disais, en formation. On va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même pour établir une relation patient-patient, on a choisi la notion de père aidance parce que ça nous a paru beaucoup plus important, beaucoup plus logique. Et on va voir ce que ça donne, parce que les patients vont être en relation sur 3 entretiens avec les autres patients. Donc c'est intéressant de voir. Bon, on est au début. C'est juste un point. Quand on parle de former les patients, même si c'est de toute façon péjoratif, je ne pense pas que ce soit discriminatoire. Si je pouvais faire la même chose pour l'ensemble de mes enseignants, moi inclus, on va dire, on va quand même pas les former, si c'était paternaliste, faire un suivi psychologique. Je pense que pour un certain nombre d'enseignants qui accompagnent, quand on lit les récits de vécu des internes en garde, notamment, des fois on peut entendre les récits. Donc, évidemment, l'accompagnement psychologique, d'être exposé indirectement au vécu, etc., ou la formation à la gestion des situations complexes. Mais je me suis formée à l'animation de groupe parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Donc, la formation, c'est pour acquérir chacun les compétences qui correspondent à sa place dans la formation des futurs professionnels. Donc, former les patients, c'est parce qu'il arrive qu'un certain nombre d'entre eux ne soient pas formés à l'animation, tout comme certains médecins ou enseignants doivent être formés à l'approche partenariale. Enfin, en tout cas, je ne vois pas être quelque chose de franchement péjoratif ou discriminatoire. Quand on dit former la patient, on en parle parce que, comme ils intègrent l'institution, on dit que si on peut un peu faire les choses nouvellement, on est protégé, encore une fois, sans être paternaliste, comme on devrait le faire aussi pour nous, sauf que là, on a une responsabilité en d'entrer dans l'université. Donc, ce qu'on dit juste, c'est mettre des conditions normales, naturelles, pour permettre pour tout le monde. Donc, je ne vois pas ça comme discriminatoire parce que ce sont des patients puissants dans une équipe. Tout le monde devrait avoir ces garanties-là. Peut-être qu'on est un peu plus attentif à leur offrir parce qu'on a cette attitude de. C'est une paternaliste et protectrice, mais je crois qu'on a une responsabilité de faire entrer des personnes. Il y a aussi une autre chose qui nous vient à l'esprit pour la formation des patients, c'est, on a parlé des problèmes financiers et tout, c'est l'aspect budgétaire. Pour que... Pardon ? En fait, il vient là, le souci, c'est que dans la tête d'un patient, le fait de se former, bon, moi personnellement je l'ai fait, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un aboutissement, à la différence d'un professionnel de santé, un aboutissement d'un poste professionnel reconnu dans un cadre. Là, pour l'instant, c'est encore assez flou et on n'arrête pas d'en parler, de remettre sur le tapis de cette question de référentiel de compétences, de fiche de poste, de rémunération, de faire vraiment exister en tant que presque professionnel en fait. Hein. Ouais. Et c'est là où peut-être que le fait d'aller se former d'un certain façon, c'est ok, pourquoi je le fais, il faut m'entourer juste comment je fais. Mais sinon, à côté de ça, je suis complètement, moi j'ai fait le DU. ETP, Quand je parle de la problématique financière, c'est-à-dire que les patients ont fait la meilleure volonté du monde qu'ils aient pour s'engager, pour se former et tout. S'ils ont des problèmes financiers liés à leur pathologie, leur traitement, ils ne pourront pas se former. C'est pour ça qu'on a monté ces structures qui se sont emparées de la formation des patients pour les accompagner. Nous, sur les 45 patients qu'on a formés, 3 seulement ont pu payer leur formation. Donc, la formation, elle n'est pas gratuite. Une formation n'est pas gratuite. Elle a un coût, une formation. Donc, ça, pour régler cette partie de formation qui est coûteuse, on a trouvé des moyens. On a dispensé des enseignements auprès de la formation continue de l'hôpital. On a trouvé d'autres ressources. C'est notre responsabilité à nous de trouver les moyens, les sources financières pour pouvoir former les patients. C'est une problématique importante. Vous avez la formation, cette nouvelle inégalité, elle a été mentionnée ce matin, mais je pense qu'elle est très importante. Vous parlez d'inégalité territoriale. J'ai une patiente qui n'arrive déjà pas à aller à la pharmacie. Alors, oui. Si on propose d'être patient partenaire, mais qui si on propose en consultation, c'est un des plus meilleurs. Les gens à proposer leur patient. Donc, on va essayer, dans un moment, on va en parler, d'aller faire les efforts pour l'approche partenariale aussi, c'est-à-dire comment je peux être patient partenaire sur mon territoire sans forcément être allé jusqu'à la PAC ou la fatigabilité. Enfin, on en a parlé, donc je pense que territoire et approche partenariale, ça doit vraiment être quelque chose à l'heure pour réfléchir. Donc, on va essayer de s'appuyer sur les CPTS et les maisons de santé qui se construisent pour pouvoir le distancier, du coup, par le Covid, de la Covid, redonne accès aussi. Donc, peut-être que le distancier, on ne va pas y revenir complètement parce que les patients des territoires, la père aidance peut-être des patients qui sont déjà sur ces territoires. Enfin, en tout cas, je pense que vraiment, on pense à la décentralisation des savoirs, universitaires, etc. Enfin, je le formule mal, mais enfin, en tout cas, on a cette problématique quand même d'identité territoriale qui est franche dans la formation.
puis nous l'objectif qu'on poursuit aussi dans le cadre de la pérédance, c'est de sortir du cadre ou plutôt d'aller vers l'extérieur de la santé mentale. Souvent, on pense pérédance, santé mentale. Or, dans la pérédance, il n'y a pas que la santé mentale. Ça couvre tout un tas de champs. Et donc, on pense que, ben, par exemple, typiquement pour ce projet de recherche sur le SAOS, on pense qu'on est beaucoup plus destiné dans la pérédance que dans le patient-chercheur ou co-chercheur. Vous êtes chercheur, vous avez fait tant d'années d'études, le patient, il arrive, il est co-chercheur. Ben, faut quand même être raisonnable, quoi. Donc, la notion de pérédance, nous, pour nous, au département, on la développe et on va faire de la formation, on va dispenser de la formation spécifique sur la pérédance. On va peut-être s'arrêter là. Si vous voulez bien. Décentralisation des savoirs. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous rappelle qu'il faut être en plénière 16h45. Vous pouvez aller on se retrouve tout à l'heure en plénière. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation.